votre séance par les mots de bienvenue d'usage de la part du Centre de recherche West Africa, que j'ai l'honneur de diriger et qui se donne comme vocation d'accueillir des personnalités comme vous. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est le tour de RADI, du réseau africain pour le développement intégré. Tout ce que je peux dire de votre association, c'est que j'y reconnais quelqu'un que je connais depuis que j'étais un enfant. C'est quand on va à l'école primaire ou quand on a ses premières années au lycée, on est quand même un enfant. À cette période-là, M. Mazi Ndiaye était très engagé. Au niveau des premiers balbutiements de ce qu'on appelle les ONG au Sénégal. Et je dois dire que j'ai été particulièrement honoré l'année dernière quand il a fallu choisir 15 personnes au Sénégal pour aller discuter de société civile et autres avec le président Obama. Il était avec nous. Je crois que c'était quand même un honneur qu'il mérite amplement et que votre association ou votre organisation mérite amplement. Nous avons aussi un autre lien, c'est que nous recevons des stagiaires américains et il arrive souvent qu'on vous en envoie et vous vous occupez très bien d'eux. Alors je crois que c'était les quelques mots que je voulais dire pour vous souhaiter la bienvenue au WAD, pour vous dire ou pour vous inviter à ce que cette manifestation ne soit pas la première et la dernière. Chaque fois que vous aurez besoin peut-être de mettre d'informer le public par rapport aux vos activités, si vous venez nous consulter et si on n'est pas trop débordé, nous nous ferons l'honneur et le plaisir de vous accueillir. Voilà, donc moi c'est le mot de bienvenue que j'avais pour vous. Je vais vous remettre l'antenne et céder la chaise supplémentaire à peut-être un de vos membres qui voudrait venir s'asseoir ici. Merci de nous avoir fait l'honneur de venir. J'allais dire qu'on se connaît depuis longtemps aussi, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres visages que je reconnais ici, en particulier celle-ci qui vit mon étudiant et qui, avec qui j'ai collaboré. Mais vous voyez, c'est ça, donc on fait très simple. Koulim dit, si jamais vous commencez, vous allez voir des gens qui vous disent, mais on se connaît. Ah ben, voilà, la journaliste qui est là-bas derrière, vous voyez, je connais tout ce monde. On a fait quelques années à la Pana. Et elle a été aussi pour les... Mais voilà, cette génération-là n'aime pas l'anglais. Je vais vous dire, c'est la génération qui venait un peu avant Latif Koulibaly. Alors, après Latif Koulibaly. Mais voilà une génération de journalistes qui avait un professeur et qui abhorrait l'anglais. C'est après qu'ils sont rendus compte qu'ils ont fait une erreur. Voilà, donc voilà. Ok, merci beaucoup. Et bienvenue. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci docteur. Merci docteur. Bonsoir. Donc, après le mot de bienvenue du docteur, nous allons passer la parole au représentant du président de l'AI, le secrétaire général, M. Kassan. Merci, monsieur le gouverneur. Donc, au nom du président de l'AI, M. Malibian, réuni aux différents acteurs qui ont travaillé à cette ouvrage. Et enfin, je dirai un petit mot sur notre centre d'intérêt, notre motivation à travailler avec le CRDI pour la publication de ce livre. Pour les remerciements du CRDI, je tiens particulièrement à remercier Mme Ramata Chou, qui a joué un rôle clé dans la publication de cet livre. Non seulement le CRDI nous a accompagnés en nous donnant le financement, mais elle s'est très fortement impliquée dans le travail technique, Madame Ramata. Je vais également remercier les acteurs clés. Quand je parle d'acteurs clés, c'est les équipes de chercheurs pays qui ont travaillé à côté du chef de projet, Madame
pour une famille. Au Sénégal, il y a Rosner qui est à ma gauche, qui a beaucoup contribué au niveau de la méthodologie et a travaillé aussi en parfaite intelligence avec Rafael, qui était son assistant. À mon italien, c'est le professeur Abedoussal de l'Université de Jean-Charles, professeur Locke, qui a travaillé avec Mahmoud Kayoun et Madame Aoudjo. Et au Niger, c'est le professeur Kidani Alou, doyen de la faculté de droit, directeur du LASDEM, le laboratoire de développement économique. Donc, le directeur de l'ASDEM du Niamey, le docteur Yanni Ali, qui a travaillé avec M. Mossi, le docteur Mossi, ingénieur agronome, et Mme Aminata. Donc, je vais terminer. Je remercie aussi Mme Moukhaïdi, qui n'a ménagé aucun effort. Depuis l'identification, la conception du projet, a vraiment travaillé très fort avec l'équipe du RADI et les équipes de recherche du pays pour arriver à ce point, qui est très appréciable. Pourquoi le RADI s'est lancé, s'est intéressé à ce travail? Pour ceux qui connaissent le RADI, l'un des domaines de prédilection du RADI, c'est la sécurité alimentaire, les modes de vie durable. Pendant près de 20 ans d'activité, nous avons constaté quand même que la femme sahélienne joue un rôle extrêmement important dans la production alimentaire, dans la transformation de la consommation. Mais nous avons également constaté que ce travail remarquable de la femme sahélienne n'était pas souvent très bien reconnu. Et le constat était que cette femme sahélienne occupait une position très marginale dans les zones d'aménagement agricole. Et je crois que l'ouvrage a révélé que cette part se situe entre 3 et 6% dans les produits. C'est extrêmement faible. Et le RADI aimerait connaître quelles sont les contraintes sociologiques, quelles sont les contraintes techniques, quelles sont les contraintes juridiques et quelles sont les contraintes institutionnelles qui ont fait vraiment que cette femme occupe cette position marginale et continue de l'occuper. Et qu'est-ce qu'il faut énormément faire pour inverser la situation? Et on aimerait connaître davantage. Et ce livre nous a donné l'occasion de connaître en profondeur les causes et de faire également des recommandations pour y remédier et ensuite de mettre en place un comité transnational entre les trois pays pour que chaque pays à l'adresse du niveau des événements afin que ces recommandations soient prises en compte dans les politiques publiques qui permettent un accès équitable des femmes à l'eau. En gros, ce que nous souhaitons, c'est plus de respect, plus de protection et une véritable promotion des droits économiques. Je ne peux pas le rester en arrière. Merci bien, M. Sam. Donc, nous allons passer la parole à Mme Sissi, qui représente Mme la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Et je pense que à cette session, c'est ce ministère est vraiment bien placé pour donner un éclairage sur la problématique qui est soulevée dans le cadre de cette étude. Et comme l'a dit Dalsan, personnellement j'ai beaucoup travaillé avec le RADI depuis quelques années. Et je peux confirmer que dans tous les programmes de la RADI, depuis le programme de la RADI, je crois que c'était le nom, le Centre des formations juridiques, les fédérations, les mouvements, parce que la RADI,
programme alimentaire, qui est déjà un programme sous-régional, le Sénégal, le Mali et le Burkina. Donc c'est un programme de sécurité alimentaire et de décentralisation. Ensuite, il y a eu le programme de sécurité alimentaire et changement climatique, qui a réussi à être eu. Donc, pour dire que le rallye était dans cette perspective, et à l'intérieur de cette intervention, la femme a été une place de choix, a été la cible principale de toutes ces activités. C'est pourquoi ça a été une bonne idée pour le ministère de la Femme, de la Fille et de l'Enfant. Merci, monsieur le Président. Accès à l'eau pour les agricultrices aériennes, enjeu pour une démocratie inclusive. Par la même occasion, permettez-moi de vous transmettre ces salutations et remerciements. L'objet de la rencontre d'aujourd'hui revêt d'une importance capitale, car la problématique de l'accès des femmes à l'eau, à usage agricole et non potable, nous interpelle tous au plus haut point, surtout dans le contexte actuel marqué par la mise en œuvre de politiques stratégiques en faveur de l'autonomisation des femmes, de leur accès aux facteurs de production. Vous savez, au Sénégal, les femmes constituent 52% de la population totale, tandis que 39% de la population active supporte 90% des charges domestiques et effectue 80% des travaux agricoles, surtout dans la culture vivrière. Elles jouent un rôle essentiel dans la sauvegarde de la biodiversité. À ce titre, la femme rurale occupe une place importante en ce sens qu'elle assure une grande partie de la production agroalimentaire, participant ainsi à l'atteinte des objectifs de souveraineté et de sécurité alimentaire. Toutefois, leur vulnérabilité émanant de divers facteurs explique leur accès limité aux moyens de production agricole. Cette discrimination, renforcée par l'absence de droits et de sécurité concernant la terre, constitue le facteur déterminant du manque de revenus des femmes et de leur approvisionnement. Il faut noter que le challenge en Afrique, et plus particulièrement au Sénégal, est de permettre à toute femme de disposer d'une autonomisation dans plusieurs domaines pour la satisfaction des besoins stratégiques, spécifiques et intérêts stratégiques. L'État du Sénégal a entrepris un vaste chantier de réforme juridique et institutionnelle pour renforcer considérablement sa politique de promotion et de protection des droits de la femme sénégalaise, pour assurer leur autonomisation à travers le plan Sénégal émergent, le PSE, surtout dans le secteur agricole et le monde rural. Renforcer certaines mesures en faveur des femmes, telles que l'accès à l'eau à usage agricole, à la bonne terre, aux ressources économiques et financières, aux facteurs de production, etc. Les articles 19 et 19 de la Constitution de 2001 réaffirment son adhésion à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ainsi qu'à la Charte africaine des droits de l'homme, qui proclame l'accès de tous les citoyens sans discrimination à l'exercice du pouvoir à tous les niveaux, l'égal accès de tous les citoyens aux services publics, le rejet et l'élimination sous toutes ses formes, toutes les formes de l'injustice, des inégalités et des discriminations. Mieux, les textes juridiques du Sénégal reconnaissent les mêmes droits aux hommes et aux femmes, particulièrement la loi sur le domaine national, où celle portant compte des collectivités locales, qui stipulent un accès égal à la terre et aux moyens de production. Cependant, il faut noter que ces acquis méritent d'être renforcés, si l'on sait que les défis relatifs à l'égalité des genres persistent à tous les niveaux et constituent une entrave à l'atteinte des ONG, surtout dans le contexte actuel de l'acte 3 de la décentralisation. Enfin, nous remercions le réseau africain pour le développement intégral et tous les partenaires qui l'ont accompagné dans la réalisation de cet ouvrage, si important pour l'autonomisation de la femme et la promotion de l'égalité du genre dans le domaine de l'agriculture et de l'économie. Je souhaite plein succès aux travaux et reste attentif à vos conclusions que je transmettrai à Mme le ministre de la Femme. Voilà, merci bien Mme Cissé. Donc à présent, nous allons passer à l'équipe de recherche qui va nous présenter la démarche et les spécificités notées dans les différents pays, dans les trois pays. Également
les aspects qui sont communs, c'est problématique. Et avant cela, on aimerait que le Congo, qui a déjà fait une étude un peu dans le même domaine, avec son livre bleu, prendre la parole pour nous faire un peu de placer ce travail que nous sommes en train de faire dans cette perspective. Merci, Président. Je voudrais d'abord présenter toutes mes excuses à mon grand frère Damsal. Mais il connaît les contraintes du Congo. Ah bon? On a une série d'activités et Omarwan a arrêté aujourd'hui de coordonner le PMFM. Il y avait une cérémonie prévue en son honneur. On n'était pas au courant. On a perdu, nous avons dû nous rendre là-bas pour remplacer à mon côté. C'est ça qui explique qu'on est arrivé à l'heure. Je voudrais juste rappeler un peu pour placer tout cela dans le contexte dans lequel nous nous situons en tant qu'organisation de la société civile, étant entendu que l'équipe de recherche affinera ces aspects de façon beaucoup plus profonde que moi. Je veux juste rappeler que notre pays a pris l'option, du moins les nouvelles autorités, de fixer un certain nombre d'objectifs en matière d'agriculture. Notamment l'autosuffisance en riz en 2017, 60% irrigué, 40% pluvial, le développement ou la relance de l'agriculture avec autour un certain nombre de cultures, la mise en place d'infrastructures de stockage et donc une série d'autres actions sont prévues. Mais ce qu'on a dit lorsqu'on a été informé de ces, qu'on a pris connaissance de ces axes, c'est qu'on avait trois principales contraintes à lever. La première contrainte, la madame qui vient de prendre la parole l'a évoqué, nous avons des contraintes liées à l'accès au foncier. Dans les orientations politiques du nouveau gouvernement, on nous dit qu'il considère que c'est l'agriculture qui est le seul secteur susceptible de générer suffisamment d'emplois décents et donc de contribuer à déconstruire la pauvreté au Sénégal, à lutter de façon structurelle contre la pauvreté au Sénégal. Mais pour faire cela, nous pensons qu'il faudrait lever ces trois principales contraintes. La première est liée à l'accès des jeunes et des femmes au foncier à usage agricole. Nous avons, au niveau de la communauté des ONG, pris le parti, nous, d'anticiper sur la réforme foncière en élaborant, en initiant une série d'études. La première sur la gouvernance agro-silvopastorale, foncière agro de façon globale. Et le second rapport porte sur l'exercice des droits fonciers des jeunes et des femmes. En résumé, le principal résultat de cette étude, c'est que ça montre qu'au niveau des communautés rurales, on a des taux d'accès qui tournent très rarement, qui dépassent très rarement, autant pour moi, 4%. C'est extrêmement faible. Souvent, on a même des taux qui sont entre 2-3% d'accès des femmes et des jeunes au foncier. Deuxième constat que nous avons fait en réalisant une seconde étude, Dame aussi est au courant parce qu'il était membre du conseil d'administration du Congo, pour lever la seconde contrainte, il y a le foncier, il y a l'accès aux ressources financières, donc au crédit bancaire. Nous avons réalisé une étude qui montre également que l'une des difficultés majeures au Sénégal, c'est que les instruments de financement du développement ne sont pas entre les mains des acteurs nationaux, à commencer par le gouvernement. Et cela se ressent très fortement dans l'accès des opérateurs économiques, en particulier des petits producteurs, au crédit bancaire. Et sur une période de 20 ans, nous nous sommes rendus compte que les allocations de ressources au secteur agricole dépassaient très rarement aussi, comme par hasard, 4%. Que ce soit le budget ou les crédits bancaires. Donc il y a un problème à ce niveau, il y a une contrainte qu'il faut lever. Et dernière contrainte qui est liée à ce qui nous amène, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la contrainte accès à l'eau. Les ressources ont été caractérisées au Sénégal. L'information est disponible au niveau de la DGPR. Mais la difficulté de fond, c'est maintenant comment veiller à ce que cette eau-là arrive aux producteurs. Premier défi. Deuxième défi, nous organiser aussi pour que le prix de l'eau dans l'espace rural soit soutenable. C'est l'une des conclusions du livre bleu. Il est inacceptable que dans notre pays, que les paysans, que ceux qui vivent dans l'espace rural paient l'eau plus cher que les citadins, vous et moi. C'est cela la réalité aujourd'hui. Et cela nous amène à interroger la réforme du secteur de l'hydraulique rurale qui est en cours. Avec la mise en place de l'OFOR. Quelles seront les conséquences? Dans les schémas qui ont été présentés il y a à peu près une dizaine de jours, on nous a appelés pour nous dire qu'on va restituer le rapport de l'étude sur la réforme de l'hydraulique. Mais en réalité, c'est trop tard. Même les marchés ont été lancés pour les délégations. Il n'y a plus rien à faire en matière de réforme.
mais simplement comment nous mobiliser pour qu'un certain nombre de contraintes à ce niveau soient levées. Dans les projections qui ont été faites, il y a deux tendances. Maintenir le prix de l'eau à son niveau actuel ou bien jouer sur ce prix de l'eau pour rendre le marché attractif pour les opérateurs privés. Mais il restera une difficulté majeure. Dans quelle mesure on peut être sûr qu'un opérateur privé de maintenance des forages va arrêter dans des zones où il y a très peu de forages et où il n'y a pas une demande financièrement rentable, donc attractive pour l'amener là-bas. Donc voilà quelques questions de fond qui font qu'aujourd'hui, pour nous, cette question est essentielle, la question de l'eau productive. Nous pensons que la meilleure façon d'opérer une péréquation à ce niveau, donc de rendre le prix de l'eau soutenable dans l'espace rural, c'est de diversifier ses usages. Pour qu'on ne se retrouve pas dans les situations que nous observons, où on met en place des forages, on met en place l'adduction, mais les gens continuent d'utiliser l'eau de pluie parce qu'ils n'ont pas les moyens pour acheter cette eau qui coûte plus cher dans les villages que dans les villes. Donc l'eau productive apporte une réponse dans la mesure où elle permet donc, d'utiliser ça à des fins de production, donc de générer des ressources qui permettent donc de rendre le service à la fois disponible, efficient et durable dans l'espace rural, parce qu'il s'agit également d'une question de droits humains. Je vous remercie. Merci beaucoup. Présenter des spécificités des différents pays, il faut dire que le Niger a eu à présenter ses excuses. Nous n'avons pas pu avoir le vol pour être là aujourd'hui. Donc nous allons avoir une présentation du Sénégal et de la Mauritanie. Et ensuite, le coordinateur de l'étude va peut-être, durant son intervention, nous parler un peu de ses spécificités du Niger qui n'est pas là aujourd'hui. Donc nous allons passer la parole à Mme Oumou Khairinia, qui était coordinatrice de ce programme, pour nous présenter la démarche et la démarche comparative qui a été mise en œuvre pour cette étude. Ok, bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup. Nos amis venus de la Mauritanie. Saluer toute cette auguste assemblée réunie à cette importante cérémonie et dire tout le plaisir que j'ai de retrouver les collègues avec qui j'ai cheminé tout au long du projet Effectivité des droits économiques des femmes à l'eau à usage agricole. C'est également pour moi l'occasion de remercier chaleureusement le RADI et singulièrement son président, M. Mazignan, pour sa confiance ainsi que le CNPI. Je voudrais magnifier la présence de toutes ces femmes de différentes organisations qui sont venues encore pour leur engagement et leur soutien. Je félicite les collègues auteurs et surtout les éditeurs de l'ouvrage qui ont su valoriser la grande masse d'informations générées au cours de la recherche et du réseautage en vue du plaidoyer. Mon propos à l'occasion de ce panel sera bref. Il s'agit de partager le comparatif qui a été au cœur des options méthodologiques du projet. D'abord, la démarche. Le projet en ciblant trois pays du Sahel, Mauritanie, Niger et Sénégal, et en mettant la problématique du genre au cœur de la recherche et des initiatives pour le changement, a d'emblée établi la démarche comparative comme outil de diagnostic et d'analyse. L'approche comparative devait se faire entre les trois pays cibles, entités unies par un environnement commun d'aridité avec des similitudes socio-économiques tangibles. En outre, la perspective genre appliquée à ce projet s'ouvre entre autres sur l'analyse comparative de la sexo-spécificité et des inégalités face aux opportunités et perspectives liées au programme hydro-agricole. Le contexte. Les pays caractérisés de pauvres, parfois de très endettés, populations vivant en dessous du seuil de pauvreté monétaire ou dans l'extrême pauvreté, de faibles indices de développement humain, de dégradation structurelle, des conditions climatiques, etc., sont autant de problèmes dont les déterminants incluent le déficit en eau, en dépit pourtant des ressources hydriques disponibles. Les réalités sociales dans les trois pays sont marquées par l'inégalité d'identité et de statut entre les hommes et les femmes comme valeur sociétale fondamentale. L'autorité de gestion, de contrôle, de décision
conférée à l'homme, à tous les niveaux des domaines de la vie économique, sociale, politique, etc. Ainsi, articulée au rapport de pouvoir, conditionne généralement les politiques et programmes de développement, et notamment les programmes de développement rural. En retour, ces programmes et politiques ont un potentiel d'influence des rapports sociaux de sexe. Ils peuvent aiguiser les discriminations, impulser des dynamiques plus favorables aux droits des femmes et à l'égalité. Mais force est de noter que l'effectivité des mécanismes juridiques et réglementaires qui les accompagnent renvoie à la fois à la capacité des personnes à s'approprier ce droit et à celle des institutions à garantir l'applicabilité, ce qui n'est pas toujours évident. C'est toute la problématique de l'adéquation entre les capacités personnelles et celles institutionnelles en rapport avec les systèmes sociaux qui constituent le terreau de l'exercice de ces droits. Notre recherche a ciblé cette problématique dans les trois pays en tenant compte du constat que l'agriculture irriguée et notamment les aménagements hydro-agricoles introduisent des changements structurels, organisationnels et institutionnels. En impliquant de nouvelles formes d'organisation de la production et de la gestion des ressources comme l'eau et la terre, elles constituent un espace potentiel de promotion de l'équité et l'égalité dans la jouissance des opportunités économiques. Ce qui est d'autant plus légitime que la place des femmes a progressivement évolué et les politiques sont devenues plus ouvertes à s'adresser à leurs droits. La problématique de l'effectivité des droits économiques des femmes à l'eau à usage dans le Sahel se présente donc actuellement au moment de notre recherche dans un contexte de décentralisation, de libéralisation économique, de reconnaissance des droits humains des femmes, mais aussi d'engagement des communautés et surtout des femmes et des organisations des droits humains. L'étude comparative a ciblé les expériences, les pratiques, les perceptions, les aspirations des hommes et des femmes dans l'espace d'agriculture irriguée et a permis d'analyser les atouts et les contraintes liées aux droits économiques des femmes à l'eau à usage agricole. Les sites choisis ont été des sites agroécologiques où l'agriculture irriguée est pratiquée. En Mauritanie, Cairo va y revenir, il s'est agi du périmètre rizicole et maraîcher de Garak et le périmètre rizicole de Toulé-Viéry, situé dans la zone de Rosso, et le périmètre maraîcher de l'Union des femmes de Machras-Sidi dans la zone de Koundi-Tekan, pour ceux qui connaissent la Mauritanie. Au Niger, il s'est agi des aménagements hydro-agricoles de Sébéri et de Koula, localisés dans la vallée du fleuve Niger, dans la région de Tillabéri. Au Sénégal, Rocher va revenir à ça avec Rosner. L'aménagement public mixte de la Sahel à Boundou et le permis public affecté aux femmes à Soulou dans la vallée du fleuve et les fermes de Kiren et de Gila qui sont des sites émergents dans le cadre du plan REVA, retour vers la culture. Les résultats, peut-être que nous n'insisterons pas sur beaucoup de contenu du faible temps qui nous est imparti, mais nous allons dire différentes choses. D'abord, les contraintes climatiques qui sont caractéristiques de la zone se manifestent sous différents formes, différemment dans les trois pays, mais le manque d'eau ou la faiblesse d'exploitation de l'eau est un phénomène partagé. Le deuxième phénomène partagé, c'est l'agriculture irriguée depuis plus de 50 ans, depuis la période coloniale et surtout au lendemain des indépendances. Ces pays ont mis en place l'agriculture irriguée comme cadre de promotion ou de garantie de la sécurité alimentaire. Mais même lorsque ces programmes ont visé la participation ou la responsabilisation des populations, les droits économiques de femmes n'ont jamais été visés à aucun moment. Donc, lorsque j'aurais dit ça, j'ai parlé des conditions cadres qui nous
qui sont partagées par ces pays et qui ont été utilisées comme élément fondamental. Mais il a été noté que malgré le fait que les femmes n'ont pas été directement ciblées, les femmes dans les différents pays ont constitué des acteurs incontournables dans les programmes hydro-agricoles. Main-d'œuvre familiale, force de travail organisée, de prestations de services rémunérés, souvent faiblement, elles ont affirmé progressivement leur leadership dans les dispositifs qui étaient plutôt favorables aux chefs de famille. Donc, il est ressorti des cadres juridiques favorables aujourd'hui à la promotion des femmes. Les différents pays sont engagés autour des instruments internationaux qui garantissent ces droits humains-là. Et ces pays ont mis en place dans les différents pays, je ne vous apprends rien pour le cadre du Sénégal, ils ont mis en place des cadres juridiques nationaux qui sont très forts et qui vraiment constituent un potentiel pour respecter les droits des femmes. Cependant, sur le terrain, dans la pratique quotidienne des choses, comme pour Boubacar la vie, comme dans la ressource, etc., les pratiques communautaires qui prédominent, et notamment dans le secteur agricole et concernant l'usage des aménagements hydro-agricoles, font que les droits des femmes ne sont pas respectés et qu'il existe des disparités entre les hommes et les femmes. Et ça, c'est important. Un des facteurs justificatifs ou bien qui favorise cela, c'est que les textes qui régissent les aménagements hydro-agricoles, les textes qui encadrent l'exploitation et la gestion de l'eau ne prennent pas en compte clairement les préoccupations des femmes et ne mettent pas en place des dispositifs clairs pour garantir l'accès. Nous avons rencontré dans quelques pays quelques principes pour dire que nous avons mis en place la politique genre, mais dans les faits, ça ne change pas les relations de pouvoir qui prédominent. Sur les différents sites, donc, la réalisation des droits des femmes est affectée par les facteurs socioculturels, notamment les rapports sociaux de pouvoir qui les marginalisent dans l'accès aux parcelles, soit en restreignant leurs possibilités, en les confinant sur les parcelles collectives. Un troisième élément sont les stéréotypes sexistes qui restreignent les perspectives des femmes à développer leurs entreprises et favorisent le rôle principal des hommes dans les aménagements. Les hommes sont perçus comme étant les utilisateurs naturels de l'eau à l'usage agricole et des aménagements qui sont liés à cette eau-là, parce que sans la terre, l'eau n'a pas de valeur. Donc les femmes considérées comme des acteurs de soutien, leurs besoins ne sont pas ressortis ni pris en compte. La répartition des rôles de genre socialement dévolus donc aux hommes et aux femmes induit une spécialisation des femmes dans le maraîchage, activité secondaire par rapport à la production du riz en Mauritanie, c'est le cas en Mauritanie, ce qui est révélatif d'une captation par les hommes de la culture du riz à forte valeur commerciale. Les rapports sociaux de pouvoir structurent les possibilités des femmes. Nous avons vu au Niger le rapport riziculture femmes et riziculture est d'emblée aliénée par des stéréotypes de dur labeur. On dit que le labeur est dur, c'est pas dit pour une femme qui travaille dans ce contexte où il y a ça. Donc, il y a une barrière qui les bloque dès le départ et il y a une conscience qui fait que les femmes ne sont pas prêtes à participer et les communautés ne sont pas prêtes à appuyer. Donc je passe sur beaucoup d'éléments intéressants que vous retrouvez dans les notamment l'accès et l'approvisionnement en hein, toutes les contraintes, pour dire qu'il y a des contraintes pour accéder même à l'eau à usage agricole. Nous savons, et c'est une tautologie de le dire, mais sans eau, on n'a pas besoin des aménagements hydro-agricoles.
les aménagements sont importants seulement parce que l'accès à l'eau est garanti directement. Or, on se rend compte que le principal mode d'accès à l'eau à Ija pour la majorité des exploitants indulés est une source commune contre paiement de redevances. 65,4% en Mauritanie, 94% au Niger, 89,8% au Sénégal. L'accès à partir de moyens existe de façon exceptionnelle en Mauritanie où il touche 11% de l'échantillon, 8% parmi les hommes et 14% des femmes. L'existence de problèmes pour accéder à l'eau à usage agricole est reconnue par une proportion importante des exploitants individuels. Au niveau des hommes, des femmes en Mauritanie, au Niger et au Sénégal. Et les résultats du Niger semblent quand même plus nuancés, restent à l'opposé de cela des autres pays et montrent cependant qu'il y a des contraintes auxquelles les femmes font face comparativement aux hommes pour accéder à l'eau à usage agricole. Au niveau des producteurs qui dépendent de forage, ils sont souvent confrontés à la faiblesse des débits et aux parcs techniques qui font que l'eau n'irrigue plus les parcelles. Cela est constant. Les exploitants sont dans ce cas soumis à la pompe de l'eau, ce qui pour les femmes alourdit la charge de travail domestique. Par ailleurs, dans les différents pays, les coupures d'électricité, etc., réduisent les causes des retards de l'irrigation et le drainage des parcelles, créent des ruptures dans le flux d'eau, ce qui forcément en rajoute pour ce qui est des contraintes auxquelles les femmes font face. Au Sénégal, si certains problèmes d'eau signalés sont communs aux hommes et aux femmes, il convient de noter que la cherté des factures d'électricité, le coût du gasoil dans les parcelles hors casier constitue du flux plus aigu chez les femmes. Ayant moins de ressources et souvent peu éligibles au crédit agricole classique, et éprouvent plus de difficultés que les hommes pour faire face aux charges. Lorsque les femmes accèdent aux parcelles d'aménagement public, généralement, elles accèdent normalement, automatiquement, à l'eau d'irrigation autant que les hommes. Cependant, ceci ne doit pas cacher l'existence de disparités de genre, notamment dans le risque d'inondation des parcelles, qui ne tient pas compte des contraintes liées au rôle reproductif de la femme que lui confère la société, mais aussi la position de la parcelle de la femme par rapport à la source d'eau. C'est toute une problématique, cette question, sur laquelle je ne vais pas insister. La grande question, c'est de dire, en conclusion à mon intervention, cette étude, cette recherche, c'est vraiment un cadre pour analyser, pour renseigner certes au plan scientifique la problématique, mais également pour asseoir les bases de plaidoyer, ce plaidoyer qui vient d'être cité par SEC, pour changer quelque chose dans ce cadre-là. Parce qu'il n'est pas normal qu'à l'époque où les femmes ont des droits reconnus, où aujourd'hui, de plus en plus, on parle de parité. Et aujourd'hui, comme l'a dit Madame la représentante du ministre de la Femme, qu'on est en train de promouvoir, de reconsidérer l'agriculture dans son vrai rôle et à sa place, que les femmes ne puissent pas être dans les conditions d'avoir les mêmes opportunités que les hommes. Et de pouvoir se réaliser dans ce secteur et de devenir entrepreneur dans tous les sens et de poser dans l'économie. Et donc c'était important pour le rallye et le plaidoyer qui va certainement apporter quelque chose et donc interpelle toutes les institutions, les ministères, les organisations de la société civile qui devraient encore mieux réfléchir dans le cadre des aménagements hydroagriculteurs qui sont des instruments publics, mais également dans d'autres cas pour qu'aujourd'hui les grands changements que nous vivons dans le domaine de la promotion
économique dans le cadre de l'actual de la décentralisation qui renforce la participation citoyenne, que nous soyons là pour travailler avec toutes ces femmes qui sont agricultrices, qui sont productrices, qui sont dans la transformation, qui sont dans le soutien, etc., pour que cette nouvelle phase de notre développement ne se fasse pas sans les femmes. Je vous remercie. Ok, merci bien. Donc, nous allons passer maintenant à la présentation des spécificités pays. Et nous allons commencer par la Mauritanie. Par la suite, nous allons avoir la présentation du Sénégal et du docteur Rosler qui vont en même temps traiter des spécificités du Niger. Donc, je vais donner la parole à M. Mahmoud Haïdou qui représente. Tout d'abord, je tiens à remercier Darodi pour nous avoir invités à participer à cette rencontre combien importante et qui vient couronner plusieurs années de labeur. Et c'est un moment important de partager cet ouvrage avec le public. Je voudrais dire que dans un contexte qui est le nôtre, le contexte de crise alimentaire, ce contexte de changement climatique, il est extrêmement important de faire appel aux compétences d'une frange qui fait plus que la moitié du monde, celle-là, la frange des femmes. Donc, cette frange extrêmement importante doit être associée aux efforts de développement. Je pense que cet ouvrage, ce projet vient pas nommé, comme je l'ai dit tantôt, dans ce contexte de crise, pour aider, pour appuyer, pour libérer les énergies extrêmement importantes et qui sont malheureusement laisser pour compte. Il faut dire que le projet est en deux phases. La première phase, c'est la recherche et la deuxième phase, c'est l'action. La recherche a pu décider, ressortir des problèmes extrêmement importants auxquels le Kébanier devrait apporter des solutions. Le cas de la Mauritanie, il faut dire qu'il y a eu trois sites qui ont été touchés, compte tenu de la diversité culturelle. Vous savez qu'il y a plusieurs ethnies qui sont en Mauritanie et c'est important d'associer toutes ces ethnies tant qu'il est possible dans tout processus. Comme vous avez dit, Madame la coordinatrice, il y a eu le site de Tulejeri qui, en réalité, dont la forte composante est Angola. Il y a le site de Garak, à forte concentration de Wolof. Et il y a le site de Machar Sidi, qui a forte concentration de Maure. Il faut dire aussi que, pour ce qui concerne le site, c'est-à-dire l'autre communauté Soninké, qui est extrêmement importante, elle n'a pas pu être assurée parce que tout simplement c'est une question d'éloignement. C'est l'Ibadi qui se trouve très éloigné et ça faisait un coût exorbitant. Donc je pense que nous avons eu un échantillonnage qui est représentatif et qui a pu quand même ressortir des éléments extrêmement importants. Je vous donnerai à titre d'exemple, en Mauritanie, nous avons plus de 140 000 hectares de terre qui sont irrigués, mais il faut dire que 40 000 seulement sont exploités, sont aménagés. Ce qui veut dire que les femmes ont un grand rôle à jouer et il est temps de les booster pour qu'elles puissent participer effectivement à cet effort de développement. Il faut dire aussi que le cadre national juridique qui existe est très tolérant
c'est un arsenal qui en réalité fait beaucoup de tolérance. Et malheureusement, la question qui est posée, c'est que les femmes n'ont pas conscience de cet arsenal juridique qui leur confère beaucoup de droits et qui leur confère beaucoup de possibilités. Malheureusement, compte tenu simplement du fait que pour la plupart, elles sont illettrées, pour la plupart, elles ne sont pas organisées, ce qui fait que malheureusement, elles ont des opportunités en or qu'elles n'ont pas pu exploiter. Et ça, c'est un facteur qui, ce facteur d'ignorance, ce facteur de, est propre à notre sous-région. Je disais aussi que pour ce qui concerne le sujet de Bordadi, je voudrais tout simplement dire que il s'illustre parfaitement bien avec son nom, le réseau africain pour le développement intégré. Parce qu'en intégrant, en nous faisant nous participer pour l'Italie à ce projet et le Niger, je pense que c'est une leçon d'intégration que la Radio est en train de lancer auprès de nos autres frères africains. Donc, je pense aussi que ce projet, cet ouvrage sera un grand moment de plaidoyer, un très grand moment de plaidoyer, parce qu'il va permettre aux personnes qui n'ont pas pu s'informer, avoir des connaissances par rapport à ce projet, de pouvoir lire cet ouvrage et de pouvoir, certainement, ce seront des personnes acquises et qui vont, à la place de l'ensemble de ces agricultrices qui sont laissées pour compte, faire leur défense, prendre leur défense, ce que je pense comme étant une excellente chose. Il faut dire qu'en Mauritanie, il y a eu la mise en place d'un comité national de plaidoyer pour les femmes. C'est des femmes leaders, c'est des femmes très dynamiques. Elles ont été accompagnées, elles ont été outillées sur le plan de plaidoyer par M. Rosner, qui est passé à deux reprises et qui a pu les former, qui a pu les capaciter en matière de plaidoyer, parce que je pense que la question de la recherche est importante, mais la recherche pourquoi? Quand on fait recherche, c'est pour la faire aller loin. Et pour l'amener loin cette recherche, il faut mettre en place des personnes qui ont l'outil de plaidoyer pour faire avancer cette recherche, suivre cette recherche et voir l'échec et laisser dans les tiroirs. Donc, il n'aura aucune importance. Je pense que c'est un projet parfaitement bien pensé, un projet parfaitement bien, qui colle parfaitement bien avec nos réalités. Nous espérons que l'assistance qui est ici aussi sera au même niveau d'information, au même degré d'implication dans, c'est-à-dire cet ouvrage qui aujourd'hui sera mis à votre disposition. J'ai été long, je vous remercie. Voilà, merci bien, petit Khayou. Donc nous allons passer la parole à Hervé, présenter le volet Sénégal, et peut-être aussi parler du volet de l'université. Bon, je voulais dire qu'on vient de nous informer que actuellement au Niger, l'équipe de recherche est en train de faire la même chose que nous sommes en train de faire. Aussi, Le processus de réalisation du projet a impliqué différents acteurs dans les différents pays. Et nous avons partagé les résultats avec différents acteurs. Aujourd'hui, il s'agit du lancement de l'ouvrage qui est donc une dimension de ce processus. Une dimension importante, essentielle pour nous. Et le même processus est en train d'être fait au Niger. Donc, je pense que ça peut être okay. Ok, merci, monsieur le modérateur. Donc, mes propos vont aller dans deux sens. D'abord, parler un peu du choix des sites de recherche et ensuite voir les principaux constats qui ont été faits
à l'issue de l'exploitation des résultats de recherche. Donc, d'emblée, il faut dire que le projet de recherche Action sur l'effectivité des droits économiques des femmes dans le Sahel est intervenu sur une question qui est peu documentée. C'est la question du genre et de l'eau à usage agricole. Donc, cette recherche s'est évertuée à apporter une contribution à la compréhension des relations de genre dans l'accès à une ressource aussi importante que l'eau dans les périmètres irrigués. Pour la partie Sénégal, l'option participative a été l'un des piliers de la recherche et les bénéficiaires ont été associés au diagnostic de leur propre situation. Pour ce faire, ils ont été impliqués dans la collecte et l'analyse des données. Les restitutions ont parachevé leur implication dans le processus d'investigation et favorisé l'appropriation des résultats de la recherche. En ce qui concerne les sites de recherche, nous avons débuté par l'atelier méthodologique régional qui s'est tenu à Dakar en décembre 2009 et qui avait recommandé à l'équipe du Sénégal de s'intéresser aux aménagements hydroagricoles dans le bassin du fleuve Sénégal comme site principal de recherche, mais aussi à la zone des Niaï ou aux zones sous le plan Réva. Certains critères nous ont guidés, c'est la localisation du site dans les zones hydroagricoles retenues, la ruralité, la diversité ethnique des bénéficiaires. Donc c'est au sorti d'une tournée dans plusieurs localités du nord, du nord-ouest et de l'ouest du pays, guidée par la recherche documentaire, qu'un certain nombre de sites a été retenu. C'est les sites avec deux axes, l'axe Kirendila et l'axe Mundom Soulou. Mundom est un aménagement public mixte de la Sahel et c'est un village dans la communauté rurale de Yam. Souloul, c'est un périmètre privé affecté aux femmes, des femmes de Mimor. Et Kiren et Dilak sont deux villages situés dans le département de Mou, à l'ouest du Sénégal. Il s'agit de villages dotés de fermes dans le cadre du plan, le plan retour vers l'agriculture. Et ces fermes sont alimentées en eau par le procédé de boutade. Donc c'était un peu pour présenter les sites. Et pourquoi? Qu'est-ce qui a guidé le choix de ces sites? Bon, pour les constats de recherche, nous avons comme constat, les principaux constats tournent autour de trois points. D'abord, l'existence de textes sur l'eau, non discriminatoires en apparence, l'existence de disparités de genre persistantes et non de discrimination, la prise d'initiatives correctives dans les sites d'aménagement hydro-agricole. Donc, c'est les trois points que je vais développer. Donc, pour le premier point, le constat, c'est qu'il y a des textes non discriminatoires en apparence, mais peu sensibles au genre. Le Sénégal a opté pour un développement économique essentiellement basé sur la maîtrise de l'eau. Cette option doit, pour être viable, s'appuyer sur un cadre juridique et institutionnel adapté. Les textes sur l'eau sont apparemment neutres et n'admettent pas de discrimination basée sur le sexe, mais ils sont en déphasage avec la plupart des instruments juridiques internationaux qui recommandent aux États de prendre des mesures positives pour faire cesser les discriminations de fait. C'est des textes que nous connaissons tous parce que nous avons beaucoup travaillé sur les différentes conventions, mais également au niveau africain, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que son protocole, et tous les textes, les plans d'action de Beijing, etc. Mais deux contraintes majeures sont à relever. D'abord, l'ineffectivité de certains de ces textes laisse persister ces discriminations qui sont censés combattre. Ensuite, quand bien même ces textes n'admettent pas d'inégalité voulue entre les hommes et les femmes, ils ne sont pas sensibles au genre. Il est observé que les textes ne sont pas suffisamment arrimés à la dynamique sociale actuelle au Sénégal, faite de discrimination récurrente, voire banalisée à l'égard des femmes. Au plan interne également, nous avons l'article 15 de la Constitution du Sénégal qui dit clairement que l'homme et la femme ont également le droit d'accéder à la possession et à la propriété de la terre dans des conditions déterminées par la loi. La même initiative devait être prise pour une ressource aussi vitale que l'eau. De l'analyse genre du cadre juridique de l'eau à usage agricole, il ressort les constats que les textes sont neutres en apparence, mais ne tiennent pas compte des contraintes et des besoins spécifiques des femmes, notamment dans le coût de l'eau et l'équilibre de genre dans la composition des instances chargées d'affecter les parcelles inondées aux usages. Le deuxième point de constat, c'est par rapport aux disparités de genre persistantes. Dans les parcelles d'aménagement public, les femmes rencontrent un certain nombre de problèmes.
d'abord liées au transport vers le site de production. Les femmes sont tenues d'accomplir des activités domestiques à la maison avant de se rendre au champ. Il y a également l'absence de moyens de transport qui retarde leur présence au niveau des parcelles. Nous avons également constaté l'augmentation des charges de production dues au recours aux ouvriers agricoles parce que les exigences physiques de certains travaux ainsi que le volume horaire que requièrent les travaux ménagers conduisent les femmes à recourir à des ouvriers agricoles. Ça, nous le savons déjà, ce qui se répercute sur la compétitivité. Troisièmement, la cession aux hommes des terres affectées aux femmes. C'est une pratique courante dans le Delta qui s'explique principalement par le statut de chef de famille qui revient aux hommes et aussi par l'absence de moyens financiers pour exploiter les parcelles. Dans ce contexte de pénurie et de coût élevé de l'eau, l'ordre de priorité d'accès est établi selon les rapports de force. Et bien naturellement, ce sont les hommes qui l'emportent. En effet, on estime que l'homme est le chef de famille et qu'il doit accéder aux ressources productives en priorité pour obtenir des revenus nécessaires à l'entretien de la famille. Le troisième point et dernier point de constat, c'est qu'il y a des initiatives correctives qui sont prises dans les sites d'aménagement agricole, mais elles sont insuffisantes, d'où l'intérêt du plaidoyer pour l'accès équitable des femmes à l'eau à usage agricole. Donc, il est évident que l'avènement des sociétés d'aménagement comme la SAEC a contribué à réduire la privation de terres dont sont victimes les femmes, même si cela est circonscrit dans l'espace. Dans le secteur de l'Ouest-Béthio, la SAEC a déployé des agents chargés de promouvoir l'égalité entre les sexes dans l'accès des parcelles aménagées. C'est donc hors des casiers aménagés que les discriminations dans l'accès à la terre et à l'eau sont plus fortes. En effet, en dehors des aménagements, les femmes bénéficient de parcelles éloignées des cours d'eau, ce qui augmente les frais de pompage, alors que dans le casier aménagé, les exploitants et exploitantes payent le même prix en termes de redevance d'eau, quelle que soit leur position. En termes de perspective, pour conclure, pour rééquilibrer les rapports de genre, plusieurs pistes pourraient être envisagées pour corriger les dysfonctionnements que nous avons notés au cours de la recherche. D'abord, c'est de rendre les textes sur l'eau sensibles aux gens. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tantôt, les textes jugés actuels au sein n'entraient pas de discrimination voulue entre les femmes et les hommes. Ça, il faut le dire, en attendant. Donc, la deuxième proposition, c'est de promouvoir la citoyenneté des femmes, comme le disait tantôt Oumou. La défense des droits d'accès aux ressources est aussi une question de citoyenneté. Donc, dans le cadre du projet de ce projet, sur les droits économiques des femmes. Les femmes que nous avons contactées ont été organisées en comité de plaidoyer pour l'accès équitable à la terre et à l'eau et à l'usage agricole dans les trois pays. Le troisième point en termes de recommandation, c'est de promouvoir des conventions locales correctrices, c'est-à-dire à l'instar des autres pays, au Sénégal, la décentralisation qui implique une gestion de proximité de ressources par les populations locales n'a pas toujours favorisé une meilleure participation des femmes dans la gestion des ressources économiques locales, dont l'eau. À partir du moment où les conventions internationales et les lois nationales ne sont pas parvenues à corriger les inégalités de genre dans l'accès aux revenus, l'idée est de profiter de la proximité qu'offre l'espace communautaire pour produire et mettre en œuvre des règles d'inspiration locale, mettant d'abord, de manière d'accord, tous les acteurs concernés en ce qui concerne l'accès aux ressources. Donc, c'était là un peu la spécificité du Sénégal par rapport à cette recherche. Je vous remercie. Merci. Nous allons passer la parole au coordonnateur de la recherche qui s'appelle Peter Rosner. C'est bien ça? Le coordonnateur de la recherche. Éditeur. Ok, donc nous espérons que nous aurons aussi quelques indications sur les spécificités du Niger. Est-ce que vous avez des informations? Sur le Niger. Oui. Permettre à l'Assemblée. Bon, je vous remercie, Président. Je pense que nous autres chercheurs, nous devons remercier la vie qui nous a donné l'occasion de faire cette publication là. Parce que le chercheur recherche et la seule preuve de la recherche, c'est la publication. Donc nous sommes satisfaits.
d'avoir contribué à la science par cette publication. Ensuite, je peux remercier le CRI pour avoir accompagné et financé ce travail-là, mais également la coordonnatrice du projet, parce que l'ouvrage n'est qu'une composante résultat du projet, et c'est parce que le projet a été bien coordonné, bien mené, bien dirigé, que l'ouvrage est, selon nous, de qualité. Alors, au moment d'entamer le projet et même d'écrire l'ouvrage, nous avions plusieurs défis à relever. Le premier défi, c'est que on a constaté que la question de l'eau à usage agricole n'était pas suffisamment traitée dans la littérature. Les gens parlent souvent de l'eau sociale ou alors d'accès à la terre. Et on se demandait, est-ce que nous avions raison d'aborder un thème qui est pratiquement délaissé par les chercheurs? Est-ce que les chercheurs ont raison de ne pas l'aborder parce qu'il y a rien à dire? Ou bien est-ce que nous avions raison de prendre le risque de traiter une question qui n'est pas vraiment suffisamment élucidée par la science? Et le deuxième défi, c'est que nous avions délibérément choisi de travailler sur les parcelles d'aménagement public. Or, quand l'aménagement est public, c'est l'État qui aménage et il vient avec ses règles, et normalement des règles qui interdisent les discriminations, puisque c'est l'État. Donc, le défi, c'est que si nous cherchons des discriminations, est-ce que c'est dans les casiers d'aménagement public qu'on doit les trouver? Voilà encore le risque que nous avons pris pour choisir ce site-là, qui normalement, ne devrait pas souffrir de discrimination, normalement. Mais en réalité, les défis ont été relevés parce qu'on a constaté, comme l'ont dit, qu'il y a effectivement des discriminations pour accéder aux parcelles. 3 à 5% de femmes dans les casiers, cela veut dire que la femme n'accède ni à la terre, ni à l'eau. Et que même lorsqu'elle accède à la terre irriguée, on trouve un moyen pour la priver d'eau. La voilà dit, on la place dans des parcelles qui sont éloignées de la station de pompage, ce qui fait que l'eau arrive très, très lentement et très tard. Parfois, il faut qu'elle surveille son tour d'eau, c'est-à-dire si l'eau est arrivée dans sa parcelle, elle doit concilier ça avec les charges de ménage. Quand les hommes se lèvent le matin, ils vont tôt au champ. La femme doit s'occuper du bébé, etc. Elle partra au moment où les véhicules sont déjà partis au champ. Donc il faut qu'elle marche. Et le pastoral ne prend pas le soin d'affecter aux femmes des parcelles qui sont proches des lieux d'habitation. Et entendu qu'elle a des charges familiales, sociales et des charges économiques. Donc il y a bel et bien des discriminations et nous avions raison de chercher de ce côté-là. Maintenant, l'ouvrage a quand même produit plusieurs acquis. Et le principal acquis, c'est qu'il existe. L'ouvrage est là, il existe. Et combien de gens ont cherché et même trouvé sans écrire? Beaucoup de recherches ont été faites, des gens ont fait de très belles choses et qui n'ont pas su écrire, n'ont pas su immortaliser les résultats de la recherche. Évidemment, maintenant avec le net, il y a des documents qui circulent dans le net, etc. C'est bien, mais un livre a quand même une valeur symbolique. C'est un ouvrage, c'est un livre qui existe. Les gens peuvent le consulter et c'est la preuve indélébile que les gens ont pris le soin d'écrire avec l'intention d'immortaliser des résultats et de les mettre à disposition de la postérité. Alors, l'autre acquis, c'est que l'ouvrage a aussi contribué à la réflexion, si vous voulez, au débat sur la nécrologie, à plusieurs niveaux. D'abord, sur la question du choix entre la méthode qualitative et la méthode quantitative. C'est un débat récurrent chez les chercheurs. Mais nous avons constaté et même prouvé que ce débat-là, il n'est pas toujours pertinent. Il n'y a pas forcément à choisir et à commencer l'une des méthodes après l'autre. On a combiné, on a mixé les deux méthodes. Nous avons commencé par la recherche quantitative. Et pendant qu'elle se poursuivait, les chercheurs, les articles étaient sur le terrain. Et les résultats de la recherche quantitative ont été appréciés au regard des informations de la recherche qualitative.
Donc c'est une combinaison, il n'y a pas à, à choisir parfois. Et c'est pour montrer le dynamisme et la valeur ajoutée de la combinaison intelligente entre les, ces deux méthodes-là, sans avoir à dire que l'une est meilleure que l'autre. Une autre contribution, c'est sur l'importance de la revue documentaire dans une recherche. Alors que ça n'était pas prévu, ni même budgétisé dans le projet, nous avons fait ce qu'on appelait un diagnostic contextuel, c'est une proposition de Omoureya, pour dire que, puisque la question n'est pas suffisamment documentée, n'allons pas sur le terrain sans armes. Prenons le temps d'organiser une recherche documentaire approfondie, générale et sur le site, pour en savoir plus avant de commencer les opérations d'enquête. Et cette méthode-là nous a permis d'affiner la méthode de recherche. Parce que l'objectif de la recherche dans la revue de littérature, c'est d'éliminer les questions connues. Quand la littérature nous donne des informations claires sur certaines questions de recherche, on les élimine. Donc quand on va sur le terrain, on cherche ce qu'on ne sait pas. Parce que le chercheur ne sait pas ce qu'il sait déjà. Donc les questions qui ont été élucidées dans la revue documentaire, on les a élaguées et nous nous sommes concentrés sur les questions qui ne sont pas élucidées par la revue documentaire. C'est ça que nous avons cherché sur le terrain. Donc ça veut dire que l'ouvrage apporte une contribution sur l'utilité dans la revue documentaire. On ne l'a fait pas pour la faire parce que le geste, mais on l'a fait pour éliminer les questions connues. Et puis, sur la recherche action également, nous avons apporté une contribution. Parce que souvent, l'action, la participation est convoquée comme, si vous voulez, c'est un moyen d'instrumentaliser les populations. On les convoque, on les photographie pour dire qu'on a fait un participatif, en réalité, ce n'est pas passé. Souvent, ce n'est pas vrai. Hein? C'est les instrumentaliser. Alors, quand on fait un plan, on les convoque. Que oui, nous devons participer à l'histoire, mais dans la réalité, ce n'est pas vraiment ça. Mais dans ce projet, l'action, la participation est une réalité. Parce que le projet est conçu pour chercher, avoir des informations et s'en servir pour faire un plaidoyer qui va corriger les discriminations qui sont données. Aujourd'hui, le projet est fini, les chercheurs sont rentrés à la maison, mais le plaidoyer est là. Ou tout au moins, les comités de plaidoyer maîtrisés par les populations sont là. Donc, personne ne peut nous reprocher que nous avons instrumentalisé pour inventer une recherche participative. Non, moi je ne cherche plus, le projet est terminé. Mais au Niger, au Sénégal, comme en Mauritanie, les comités de plaidoyer, uniquement constitués de population, sont présents. Peut-être qu'ils n'ont pas de moyens pour agir comme ils le veulent. C'est une réalité que le projet est approprié et même poursuivi par des populations qui ont maîtrisé les résultats. Autre enseignement, autre apport de l'ouvrage, c'est que nous avons également appris que la recherche collaborative internationale n'est pas facile. Parce qu'elle exige des méthodes de communication, je vais dire des technologies de l'information et de la communication. Généralement, on n'a pas suffisamment de moyens pour se voir tout le temps. Et parfois, nos collègues, les chercheurs, se font via le net, ce qui n'est pas commun. On n'a pas le temps, on n'a pas les moyens de se rencontrer tout le temps. Et on n'a pas non plus toujours les moyens ou les réseaux pour organiser des méthodes de, comme les conférences Skype, etc. Parfois, c'est défaillant et ça a quand même parfois ralenti le rythme de la recherche. Cela veut dire que, désormais, en tout cas à l'avenir, il faut maîtriser les techniques de communication internationale pour vraiment rendre fluide la communication autour de la recherche. Et puis, dernier enseignement, sur le genre, nous avons également adopté une approche dynamique. Peut-être que c'est la manière parfois maladroite avec laquelle certains présentent les gens, qui fait que beaucoup ne sont pas d'accord. C'est souvent repoussé, parce que, surtout par les hommes, parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas parce que ce n'est pas bien présenté. Nous avons conçu le genre ici comme un instrument qui nous permet d'identifier les inégalités,
mais dans le but de les corriger. Voilà pourquoi Jacques Sirim avait de cette action. Les comités de travail qui sont créés, ce n'est pas pour s'amuser, c'est pour régler les problèmes que la recherche a révélés. Est-ce que vous voyez? Donc, ce lien-là entre le genre et la recherche d'action a été redynamisé. Et je pense que réellement, une approche genre qui n'est pas active, je ne dis pas qu'elle est mauvaise, mais vraiment, elle manque d'utilité. Parce qu'on ne fait pas le genre pour le genre, on le fait pour identifier les problèmes, mais les identifier pour apporter des solutions. Et voilà comment nous avons travaillé. Maintenant, au niveau des perspectives, des ouvrages à dégager, des perspectives, parce que une recherche, lorsqu'elle est finie, elle soulève encore d'autres questions après. Et notamment sur la question de l'accès des femmes à la justice. Parce que la recherche, l'ouvrage, ont montré que les femmes n'acceptent pas de manière équitable à l'eau. Alors que la Constitution dit que la femme et l'homme sont accès à la terre, donc à l'eau. Les conventions disent la même chose, mais les femmes n'ont pas accès à l'eau ni à la terre, de manière équitable. Et lorsqu'on leur demande, quand on vous refuse l'accès à l'eau, qu'est-ce que vous faites? Généralement, elles ont recours à des instances traditionnelles de gestion des conflits. Lesquelles instances? Ce sont les instances qui discriminent également, qui sont contrôlées par les hommes et qui piétinent les droits des femmes. Donc, il n'y a pratiquement pas de recours. Donc, ça ouvre une piste à la question de l'accès à la justice des femmes dont les droits sont violés. Donc voilà une recherche supplémentaire qui est née de cette recherche-là, qui est née de cet ouvrage-là. Et bien d'autres questions, comme pour finir, la question des discriminations hors casier. Parce que si dans les casiers aménagés par l'État, affectés par le conseil rural, il y a des discriminations, on peut imaginer que hors casier, où c'est le droit coutumier qui prévaut, vraiment, c'est vrai, c'est certainement la catastrophe du point de vue de l'accès des femmes à l'eau. Donc, ce n'est pas mauvais de chercher de ce côté-là, parce qu'il n'y a plus de périmètre, non, il n'y a plus d'espace non irrigué que d'espace irrigué, comme en Mauritanie. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les espaces qui ne sont pas irrigués? Où il y a l'agriculture, où il y a l'agriculture irriguée? C'est important également de savoir. Voilà, présent, j'ai été long, j'ai pris la passion de l'ouvrage de nouveau bébé dont on fait le baptême. Et je vous remercie. Ok, merci bien. Donc, je pense que nous avons suivi la présentation de l'équipe de recherche. Et sans avoir encore lu le document, je pense que nos connaissances sur cette problématique se sont améliorées. Nous allons ouvrir les débats pour les participants. Surtout dans la perspective, dans les propositions de. Pour les prochaines étapes, les perspectives, qu'est-ce que vous en pensez? Si on retient les présentations qui ont été faites, il y a plus de similitudes entre les trois pays que des spécificités révélées par la recherche. Les spécificités sont plutôt liées aux zones qu'on a choisies pour faire la recherche. Oui. Et les similitudes aussi, on a vu que... Il y en a quand même, mais je pense qu'on n'a pas fait beaucoup. Oui, c'est ça. Je veux dire, on va rentrer dans le document après pour les voir. Mais dans l'ensemble, on note que les similitudes sont plus fortes que les spécificités. Et à ce niveau, je pense que ce qu'on peut retenir, c'est. Dans les similitudes, c'est le cadre juridique. Dans les différents pays, c'est la même chose. Le cadre juridique est assez favorable à la non-discrimination entre les hommes et les femmes. Ça, c'était le premier point. Le cadre juridique est favorable, peut être exploité, présente des opportunités. Mais dans la réalité, on se rend compte que les mécanismes qui sont mis en place et les mesures qui sont prises au niveau des périmètres et ailleurs pourraient perpétuer un peu la discrimination basée sur le genre. Le troisième point qu'on peut relever, c'est les perspectives. Dans les différents pays, on a mis en place des comités de plaidoyer, on les a formés. Et peut-être que c'est intéressant de voir, selon les chercheurs et selon les organisations qui ont participé à la recherche, quelles sont les chances de ces comités à réaliser les changements qui sont espérés. Parce qu'on peut les former, on les laisse là. S'ils n'ont pas les moyens pour se réunir,
sinon pas les supports, les outils pour faire le plaidoyer au niveau local, de former des coalitions au niveau national. Alors non, on va retourner dans ce que je disais tout à l'heure. C'est une bonne recherche où on a augmenté les connaissances, mais pour ce qui concerne la transformation qui est recherchée au niveau social, au niveau des femmes, on risque encore d'attendre longtemps. Donc je pense que nous allons demander à l'Assemblée de toutes ces perspectives, de nous donner des idées sur les messages de plaidoyer qu'on peut avoir et sur les discussions qui peuvent être prises par les différentes organisations comme le RADI, comme les autres, pour que à leur niveau, au niveau, pas au niveau transnational, mais au niveau pays même, quelles sont les mesures que les organisations doivent prendre pour que ces résultats, ces importants résultats de la recherche ne tombent pas dans les tiroirs. Donc nous allons laisser la parole aux participants pour recueillir un peu vos appréciations sur les constats qui ont été faits et surtout aussi des recommandations que vous pouvez faire en direction des organisations qui sont impliquées dans ce travail de présentation. Oui, c'est ça. On va prendre 15 à 20 minutes. Une première vis. Aujourd'hui, je pense que c'est le moment de remercier l'esprit d'ouverture, surtout des chercheurs qui ont eu à piloter, et notamment Zaba, Oumou Haïlu et Rosa. Je pense que ce qu'il faut saluer aussi, dans le cadre de cette étude, c'est la recherche d'une harmonisation. C'est trois pays. Et ce n'est pas toujours évident. Chaque pays a ses spécificités, chaque pays a ses réalités. Et j'ai pu noter à travers cette étude, l'esprit d'avoir vraiment allé ensemble pour les trois pays. Et même des fois même, des réunions ont été organisées dans d'autres pays, si ce n'est que pour parfaire cette harmonisation, pour travailler ensemble. Et je pense que c'est à ça. Comme leçon apprise aussi, peut-être Rosner n'a pas eu à me souligner parce qu'il était invité, il ne faisait pas partie de l'équipe. Il faut être vraiment dire les choses vraies, mais de participer de temps en temps. C'est pourquoi il y a certaines choses que les gars, peut-être, je ne peux pas me prononcer, mais sur les jours auxquels je peux être. Et moi, je pense qu'il faut saluer le fait que, une des leçons apprises aussi que je voulais évoquer, c'est que les problèmes liés à l'accès à l'eau sont étroitement liés aux problèmes liés à l'accès à la terre des femmes. Et tout au début, la question était, les femmes disaient que vraiment, sans terre, nous est difficile d'avoir de l'eau, d'avoir la priorité, c'est la terre, etc. Je pense que ces questions ont été aussi agitées à un certain moment. Et c'est pour vraiment aborder des perspectives dans ce sens. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plusieurs associations, plusieurs mouvements, soutenu par des partenaires aussi qui s'investissent dans le cadre de l'accès, pour l'accès des femmes à la terre. Et je pense que, quelque part, une jonction aussi devrait être cherchée pour mieux mener notre plaidoyer. Parce que des questions étroitement liées, l'accès à la terre, l'accès à l'eau. Je pense que pour certaines localités, même au niveau local, pour mieux réussir, peut-être les femmes qui luttent pour l'accès des femmes à la terre devraient coaliser avec les femmes aussi qui plaident pour l'accès à l'eau, pour avoir, pour l'atteinte des objectifs de souveraineté, de sécurité alimentaire. Là où je voudrais terminer aussi, dans le cadre de la recherche, tout au début, les questions de discrimination et de disparité n'était pas vraiment perçu comme l'a dit Rosner. Parce que c'était étatique et
on disait que la SAEP soutenait beaucoup puisqu'il n'y avait pas de discrimination. Et il fallait pousser les questions, voir est-ce qu'au niveau de l'accès, au niveau du mode d'organisation, au niveau du coût de l'eau, au niveau même de la gouvernance de l'eau, de la gestion de l'eau. Et ces questions-là, ces critères-là nous ont aidés à pousser, à aller plus loin, afin vraiment de percevoir, d'identifier et d'analyser même les questions liées aux gens. Pour vous dire que ce n'est pas, c'est pas toujours facile, mais il faut oser, essayer d'aller plus loin, poser le pourquoi pour mieux vraiment déceler les discriminations liées à l'accès des femmes à l'eau. Je vais m'arrêter là, parce que ce n'est pas le moment quand même de valider et de tout ça, etc. Mais j'ai pris la parole pour remercier l'esprit d'ouverture. Ce n'est pas toujours que les scientifiques acceptent. Parce que les questions des gens, c'est des questions ancrées. C'est des questions d'engagement. C'est des questions de vécu. Ce n'est pas facile. Mais je pense que l'équipe a été vraiment ouverte à ce sens d'associer d'autres personnes dans la perspective de l'éducation et les réflexions. Je vous remercie. Merci pour l'invitation qui m'a été adressée à participer à cette importante académie. Le lancement de cette publication fut donc un travail de longue haleine et qui m'amène à féliciter toute l'équipe de recherche du Sénégal, mais également du Niger et de la Mauritanie qui ont eu à élaborer ce document que nous partageons aujourd'hui. Je voudrais tout simplement faire une suggestion au RADI qui, à travers son programme juridique, avait toujours misé à mettre le droit à la portée des populations, surtout les femmes et les populations démunies en général. Or, notre frère de la Mauritanie disait que les femmes mauritaniennes ont à leur disposition des textes juridiques qu'elles ignorent. C'est extrêmement important que le RADI mette à la disposition également de ses partenaires de la Mauritanie et du Niger. Je parle du Niger parce que j'interviens aussi dans ce pays. Je voudrais aussi demander, dans le cadre de la mise en place des comités de plaidoyer au Sénégal, au Niger et en Mauritanie, certainement des plans de plaidoyer ont été élaborés et validés. Mais les comités, les membres des comités de plaidoyer ont été formés, comme on vient de le dire. Mais est-ce qu'il y a des argumentaires ou un argumentaire harmonisé pour les trois pays sur la base des constats, des résultats, des recommandations pour permettre à ces comités de plaidoyer d'entreprendre des actions en direction des autorités? Parce que pour amener donc des changements dans les différents pays, il faudrait quand même que sur la base des constats, sur la base des recommandations, qu'on ait un argumentaire assez convaincant pour amener les autorités à accepter les changements. Donc, c'est une question que je lance à l'ensemble de l'équipe et vous réitère encore une fois mes remerciements et mes sincères félicitations. Merci beaucoup. Ok, merci. Ok. Donc, oui, Gaouda, c'est bon. Je vous remercie, mais que j'y ai d'abord. Parce que les critères qualitatifs et quantitatifs, ça c'est un débat qui est passé au moins depuis 10 ans. Il ne faut plus en faire une valeur ajoutée. C'est dépassé. Personne ne les oppose plus. Et si vous voyez toutes les recherches qui ont été menées ces 10 dernières années, on les a trouvées. Donc, il faut dépasser ce débat. Il ne faut pas dire nous allons innover. Il n'y a pas eu d'innovation. Et moi, en termes même de démarche, je pense que quand on expose une recherche, c'est comme s'il y avait, nous on est des nègres, c'est l'esprit nègre. Le nègre il aime toujours être applaudi, être le premier, surtout si tu es le Sénégal. Le Sénégal est toujours le premier, meilleur président, meilleur ceci, meilleur ceci, meilleur cela. Alors j'ai l'impression que c'est la même chose que notre frère a fait en présentant. Donc on voit plus que les gens s'auto-glorifient que les résultats concrets obtenus sur le terrain. Dans tout le discours de Roestler, je n'ai pas vu de résultats concrets obtenus sur le terrain, à part les comités de plaidoyer, et même ces comités de plaidoyer ici, c'est un résultat intermédiaire. Parce que ces comités de plaidoyer n'ont de pertinence que quand ces comités sont impliqués dans la réalité, qu'est-ce que c'est, quel que soit le niveau pour accéder à l'eau productive, comme on dit.
Mais si elles sont là, on dit faute de moyens, ça veut dire que c'est comme il y a mal dans quelque part. Parce que quand une personne est consciente qu'elle est malade elle-même, si elle peut marcher encore, elle se relève pour aller à l'autre. Mais elle ne va pas attendre qu'on lui donne de l'argent pour se remuer. Donc, je pense qu'il faut éviter ça. Maintenant, comme je n'ai pas lu la brochure, mais j'avais lu la synthèse générale qu'il y avait, je vais comparer, par exemple, la question de l'eau. Et il faut éviter, pour voir la citoyenneté comme des femmes, c'est des termes vagues qui ne veulent rien dire. Il faut mettre des choses concrètes dedans qui permettent une mobilisation et une effectivité sur le terrain. Mais quand on est dit citoyenneté des femmes, etc., personne ne peut dire concrètement ce que cela veut dire. Il faut éviter ce genre de termes, surtout sur des recherches de ces gens, qui sont des recherches actions, qui sont automobilisatrices au fur et à mesure. Parce qu'il y a un apprentissage par la participation des populations, elles apprennent, prennent conscience de leurs problèmes et n'ont plus besoin d'avoir marqué préparé, parfois pour se lever et revendiquer. Donc ça, mais j'ai fait quelque chose de similaire, mais c'est que ça manque d'abord. On ne peut même pas dire que la terre doit être liée, devrait être liée, non. Au Sénégal, l'accès à la terre, et l'accès à l'eau productive et l'accès à l'eau potable constitue un véritable frein au développement et à l'autonomisation des femmes pour une démocratie inclusive. Parce que quand elles mettent entre 4 heures et 12 heures, voire 14 heures de temps selon les endroits, pour accéder à l'eau, elles n'ont pas de temps à consacrer à des activités productives. Et ça, ce n'est que l'eau potable. L'eau productive, je vous donne deux choses au Sénégal. Il y a un projet qui est financé par la BAC, qui a démarré, où on a dit qu'on a aménagé, qu'on a stocké 4,5 millions de mètres cubes dans le Fatou, dans une vallée, et 7,5 millions de mètres cubes dans le Kolda. Et le projet, si vous voyez au papier, tout est 50%, 50%, 50%. Le taux d'accès des femmes à l'eau productive est de 2,3%. Alors vous allez au papier, on vous dit, c'est les réalités socio-culturelles. Alors que le projet sur le papier, les indicateurs et tout, c'est pas tout 50%. Quand tu lis, tu es émerveillé. Et sur la réalité, il n'y a rien. Donc, il y a un problème d'accès à l'eau potable, à l'eau productive et à la terre qui fournit. Et à la terre, la faiblesse de toutes les études du Sénégal, depuis 98. Depuis 98, la dernière étude où on a parlé d'accès des femmes à la terre, date de 98-99. Donc, les autres études parlent de foncier. Foncier, personne ne sait ce que ça signifie dans ce cas. Alors qu'on parle d'accès des femmes à la terre en milieu rural, d'accès à l'eau productive. Je vous dirais que dans la suite de votre recherche, vous cherchez ça, pas seulement à un endroit, vous étiez focalisé, c'est normal, le CBI, mais qu'on voit quel est réellement le niveau d'accès des femmes à la terre, et non au foncier, mais à la terre, comme vous dites, l'eau productive, à la terre productive, pour voir ce que c'est. Parce que sans la liaison, il n'y a pas d'autonomie, on n'arrivera pas à l'inclusion des femmes, ni à même leur prégnance dans la société. Donc, c'est vraiment quelque petite remarque, parce que je n'ai pas lu la brochure que vous avez publiée, et c'est pas hasard de le voir que m'a donné ça. J'ai ouvert ce matin, j'ai vu, je dis j'y vais. Donc, je ne me suis pas du tout préparé, mais je pense qu'il faut être un peu modeste sur la question et articuler, quelle que soit la recherche sur l'eau, il faut l'articuler à l'accès à l'eau potable, à l'accès à l'eau productive, et là, à l'accès à la terre pour relever les taux, parce que le Sénégal, et tous les pourcentages que donne le Sénégal, sur le Sénégal, l'accès à l'eau potable, sont presque faux. Je vous donne un petit exemple. J'ai été dans le Ziguinchor, le Sédiou, le Kolda, le Tambacounda. Il y a des endroits où les gens qui sont à part l'école et le centre de santé, personne n'utilise l'eau du forage. À part l'école et le centre de santé, même ceux qui gèrent le forage, même les populations qui gèrent les bords de forage ne l'utilisent pas parce qu'ils se disent un puits nous revient à 50 000 francs, 100 000 francs. Ça dure 10 ans, alors que l'eau revient en 300 francs, à 400 francs. Même ici à Mbou, il y a un endroit, un mètre cube d'eau coûte 2500. Ce que je vous dis, c'est un reportage à la télé, que le maire même est venu confirmer ça. Un quartier de 14 683 habitants. Il y a une seule borne forêt, une seule, ici à Mbou. Donc ce n'est même pas dans le village, c'est dans les villes. Et on a montré tout de choses à la télé, où les gens contestent le tout. Donc, aborder l'eau, c'est aborder aussi le prix de cession de l'eau. Donc, c'est un peu les remarques que je voulais faire de façon générale en disant que soit revenons sur terre, soyons un peu plus modestes et continuons la recherche et ne nous gargarisons pas trop. Je vous remercie. Et comme l'a dit, je crois, Fatma Kessi, en termes de droit, savoir où aller, quels sont les canaux, que le plaidoyer devra s'adresser à qui, etc. Donc, je pense qu'il est important
d'avoir un mécanisme de suivi, dans lequel aussi, je pense que le rallye, peut-être à travers le CRDI, peut encore faire de l'accompagnement. En plus, ça m'amène à dire aussi que est-ce que ce plaidoyer va juste être confiné à un niveau pays, puisqu'il s'agit ici de trois pays, est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt à combiner les efforts à travers une plateforme sous-régionale pour quand même créer un changement, parce que la finalité de tout cela, c'est quoi? C'est que les femmes agricultrices, mais aussi puissent avoir accès à l'eau, l'eau productive, mais comme le dit Daouda, c'est de l'eau, à l'accès à l'eau, tout simplement. Et donc, je ne sais pas aujourd'hui s'il y a des perspectives en termes d'associer ou de créer une synergie autour de ce plaidoyer-là, dans un cadre tel que la CDAO, je ne sais pas, mais au moins déjà à travers le Sahel, et ma foi, l'étendre à un niveau beaucoup plus large pour qu'il y ait vraiment un impact au niveau des gouvernements. Merci. Rosner l'a évoqué dans en parlant des perspectives. La question c'est quand est-ce qu'on va sortir des casiers en fait? Parce que cet espace est en train d'être reconfiguré. Clairement, ce qui se dessine, c'est une tendance lourde depuis l'ancien régime d'ailleurs, c'est une privatisation de ces terres. Et donc, on aura un autre acteur qui n'aura plus ce type de lien-là. On ne sera plus dans une économie de type familial, avec des femmes et des épouses et des époux, mais un acteur privé qui va être là, qui va investir son argent. Est-ce que, comme l'a suggéré une des dames, la solution n'est pas d'articuler le plaidoyer à des actions de terrain pour résoudre les questions? Dans le cadre du foncier, l'une des options qu'on a retenues, c'est d'aller vers des chartes locales de gouvernance foncière opposables aux investisseurs et des commissions domaniales élargies aux femmes et aux jeunes. Est-ce qu'il serait possible de l'envisager comme cela? Deuxième aspect, dans quelle mesure ce qui va être fait en termes de perspective peut nous aider à envisager des options d'aménagement de cet espace qui est en train d'être configuré, qui nous permettrait de mettre les investisseurs à l'intérieur des terres et donc de subventionner d'une certaine façon l'accès des femmes et des autres acteurs nationaux à l'eau à partir des aménagements qui ont été réalisés par ces investisseurs privés. Nous y réfléchissons, on n'a pas encore terminé ce travail de capitalisation qui est en cours, mais sur la question de l'eau aussi, on devrait l'examiner comme une nouvelle question de recherche qui va très vite nous rattraper, cette reconfiguration de l'espace qui aura une incidence sur l'accès à l'eau également. Pour terminer, un point qui nous semble également important, qu'il faut peut-être envisager dans une future, la question de l'accès à l'énergie. Dans le premier programme MCA, qui est en train d'être mis en œuvre dans le nord du Sénégal et dans la partie sud, il y avait une composante production d'électricité à partir de la biomasse pour réduire les coûts de production. Et malheureusement, dans ce domaine aussi, les femmes sont victimes d'une très grande discrimination. Et certaines ONG telles que ACRA sont en train de mettre en œuvre des expériences à partir du solaire pour réduire ces coûts. Dans quelle mesure aussi on pourrait l'inscrire dans les perspectives, accès à l'eau, avec cet aspect énergie qui permet le pompage et donc reconfiguration de cet espace-là, pas seulement au Sénégal, mais dans la zone du Sahel de façon globale, avec ces acteurs privés qui arrivent très très rapidement, avec beaucoup de moyens. Et à cette rencontre de partage des résultats, le plaidoyer sur le droit à l'eau à usage d'alimentation ou industriel. Et par moments, on s'intéresse aux océans, etc., etc. Mais l'eau productive n'a jamais été cernée et adressée de façon vraiment correcte. Et quand on regarde nos pays comme le Sahel, 70% des populations évoluent dans la rue. Dans des zones où il y a la sécheresse, la moyenne pluie biométrique ne dépasse jamais 500 mm. Donc il est extrêmement important de prendre en compte l'eau productive qui n'a jamais été. Donc le premier combat, c'est d'élargir la réflexion et le champ d'application du droit à l'eau productive. Ce ne sera pas suffisant parce que le droit à l'eau, c'est un droit socio-économique reconnu, mais il faut maintenant lui donner un contenu opérationnel. Il ne s'agit pas de théoriser le droit à l'eau comme nous sommes en train de le faire, et de dire que c'est un droit humain fondamental reconnu par les Nations Unies. Tout ça, c'est bien.
Mais concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce droit-là soit justifiable? Et il y a deux approches. Il y a une approche de plaidoyer pour la massification des investissements hydro-agricoles pour que la grande majorité des populations ait accès à l'eau. Et il y a aussi l'autre approche qui parle de justiciabilité, etc., etc., de revendiquer parce que tu dois avoir l'eau, tu ne l'as pas, qu'est-ce que tu vas faire, etc. Il faut trouver le juste niveau et équilibre. Il faut faire le plaidoyer par rapport au texte qui existe dans nos pays, mais il faut aussi faire le plaidoyer pour que l'État investisse davantage dans la maîtrise de l'eau et pour que les populations puissent accéder à l'eau de façon démocratique et équilibrée. Donc ça, c'est le plus grand débat. Donc au-delà de cette recherche qu'on cherchait, on est rentré par l'eau. On a vu les discriminations, mais aussi sans le vouloir, tout au début, parce que le débat qui s'est posé, on avait dit même qu'il faut inverser. Il faut rentrer par l'accès à la terre pour voir qu'est-ce qu'on va trouver. Mais on est rentré par l'eau, on a trouvé des discriminations, mais on a beaucoup, beaucoup de résultats sur l'accès. Donc ce qui fait que nous sommes d'accord sur l'indissociabilité de ces deux. L'accès à la terre et l'accès à l'eau. Mais ce que je veux ajouter aussi, c'est qu'en termes de perspective, si on prend le droit à l'eau, tout simplement, il y en a à manger, à boire, c'est énorme comme question qu'on peut adresser. Et juste maintenant pour terminer, pour dire que je sais que Rosner va y revenir. En ce qui concerne le cycle du plaidoyer, l'idée, c'était véritablement de percer un mystère. Pourquoi les femmes occupent des positions extrêmement marginales dans les zones d'aménagement hydro-agricole? Nous avons eu une masse d'informations critiques importantes et par pays. Et nous avons aussi dans chaque pays, et de façon très claire et nette, décliné avec les acteurs de ces pays-là, le cycle du plaidoyer, de façon très bien. C'est-à-dire décider quel est l'argumentaire à mettre en œuvre et quelle est la stratégie, quels sont les moyens et quel type d'adresse nous devons faire à ces autorités pour pouvoir changer les situations que nous avons trouvées sur place, dénoncer. Ça, ça a été fait. Mais maintenant, le problème des moyens de mise en œuvre. C'est comme tu le préparais, c'est ça, à mon avis. Donc, je veux dire maintenant, en tant que rallye, c'est ce que je voulais vraiment délivrer comme message, et laisser la parole à nos chercheurs qui ont diagnostiqué sur le terrain, qui étaient en contact des difficultés et des problèmes, qui vont alors compléter le message. Voilà, merci. Voilà, je pense que les questions qui sont posées sont légitimes et c'est surtout des questionnements et l'intérêt ce n'est pas d'y répondre en pensant qu'on dit la vérité, mais c'est de soulever ces questionnements-là en perspective de la suite de l'étude. Parce qu'on n'est pas en train de discuter les résultats scientifiques de l'étude. Cela a été fait, et surtout avec les populations, car ce sont elles qui sont les actrices et les bénéficiaires de ce projet de recherche-là. Nous, on a de l'eau, c'est pas pour nous, c'est pour les populations qui sont sur le terrain, et principalement les femmes. Et nous avons largement discuté avec ces femmes sur cette question-là, et cet ouvrage-là est le flux de la réflexion combinée entre les scientifiques et les chercheurs, les chercheurs participatifs. Maintenant, je pense qu'il faut quand même lire l'ouvrage pour bien comprendre ses forces et ses faiblesses. Encore que nous-mêmes, nous avons adressé les faiblesses de l'ouvrage. Nous-mêmes, chercheurs, nous avons dit dans l'ouvrage qu'il y a des choses que nous n'avons pas pu dire. Il y a des choses qu'on n'a pas clairement dit. Il y a des choses qu'on n'a pas abordées, peut-être sous le bon. Hein. C'est comme ça. La recherche n'est jamais parfaite. Les gens cherchent, trouvent un bout et laissent d'autres continuer la recherche. De la même manière que d'autres ont cherché avant nous avons pris le prix, nous avons continué. Donc on n'a pas la prétention d'être parfait. On n'a pas la prétention d'avoir tout trouvé et on ne se glorifie pas. Mais seulement il faut comprendre le format de cette manifestation-là.
ce n'est pas vous dire voilà ce que vous avez, qu'est-ce que vous en pensez. C'est une presse, c'est la présentation d'un ouvrage. À l'occasion duquel il est normal qu'on pose des questions, qu'on y réponde. Mais ce n'est pas discuter les résultats de la recherche. Je pense que ça, il faut quand même le comprendre. Maintenant, Oumou l'a dit, on n'a pas pu tout dire en 15 minutes. Mais il y a des questions extrêmement profondes qui sont abordées dans cet ouvrage. La question du statut de l'eau. L'eau est-elle un bien domanial, auquel cas il est géré par l'État qui autorise les utilisateurs? Ou est-il une ressource naturelle qui est donc affectée par le Conseil de la République? Lorsque j'accepte un périmètre irrigué, je m'adresse à qui pour avoir la terre et je m'adresse à qui pour avoir l'eau? Car l'autorité qui gère la terre n'est pas celle qui gère l'eau. Est-ce que vous comprenez? Alors, lorsqu'on va avoir accès au pompage de l'eau dans le domaine national, en fait, ce n'est pas concevable. Le Conseil n'a pas compétence à traiter de l'eau. Et d'ailleurs, l'accès à la terre est gratuit, moyennant le fait de bornage, alors que l'accès à l'eau est payant. Voilà pourquoi l'acte 3 doit régler cette question-là. Et au moment où nous réfléchissons sur l'accès à l'eau, les gens réfléchissent sur l'accès à la terre et n'ont pas fini. La Commission foncière n'a pas rendu ses conclusions. La privatisation, qui est une option presque, en tout cas, partiellement inévitable. Lorsque les terres seront privatisées, qu'est-ce qu'on va faire maintenant de l'eau? Comment? Bon, voyez-vous? Donc, ces questions-là, c'est des questions de recherche profonde. Et ce n'est pas ça l'objectif d'aujourd'hui. C'est pour vous dire, en gros, qu'est-ce qu'on a trouvé, c'est tout. Mais ce n'est pas pour entrer dans les considérations scientifiques et les discuter. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça. Il y a des questions. Maintenant, les comités de prévoyance. Mais le RADI n'a pas d'argent à donner au comité de prévoyance. Le CRD non plus. Est-ce que vous comprenez? Le CRD ne peut pas continuer à faire la recherche, à former des comités, à donner l'argent. Mais quand même, mais ces comités ne pertinent pas au CRD. C'est pour les populations. C'est quand même de chercher des moyens et de travailler. Mais au moment, dès qu'il y a une question liée à ça sur la citoyenneté, mais ce que nous disons aujourd'hui, les femmes n'en étaient pas conscientes. Il y a beaucoup de femmes qui n'étaient pas conscientes qu'elles avaient le droit à l'eau. Là, ça y vient, à l'âge de donner des terres, les femmes prêtent des terres à leur mari. On a vu ça, à Boundou, à Diamanya. Pendant que là, les gens se battent pour donner des femmes aux terres, les femmes repèrent les terres et donc à leur mari. Est-ce que vous comprenez? Et ça, nous avons abordé les sous-bassements culturels des discriminations à l'eau et à la terre. Alors ça, vraiment, c'est des questions. Et les femmes ne sont pas au courant de ça. Et les questions sont là avec des tableaux. On a demandé aux femmes, avez-vous conscience de vos droits? Est-ce que vous connaissez ce que dit le droit sur l'accès à l'eau? Généralement, la réponse est non. Lorsque vos droits sont violés, qu'est-ce que vous faites? On ne fait rien parce qu'on ne connaît même pas nos droits. Mais ce sont ces femmes-là qui ont été impliquées dans la recherche, qui ont été informées de leurs droits, qui ont été consultées en comité de prévoyance, mais c'est beaucoup. Je pense qu'il faut remercier le CRD d'avoir créé une comité de prévoyance. Les quelques comités ont été formés et on avait conçu des augmentés de prévoyance, mais ne demandez pas au CRD de continuer à mettre l'argent pour que les gens. Non, parce que ça, c'est pas des questions, c'est des questions nationales ou transnationales. On n'a même pas souhaité que le CRD soit là encore tout pendant 10 ans pour financer les femmes. Et le RADI, mais le RADI pour le fond. Oui, le RADI accompagne, mais le RADI n'est pas envers le fond. Non, mais je veux dire, les organisations de la société. Et je crois même qu'on a donné des fonds peut-être symboliques à ces comités-là. Bon, c'est symbolique, c'est pas beaucoup, mais on peut pas faire plus. On peut pas continuer à vacciner les populations pour faire des choses qui les intéressent. Et la part des populations de s'organiser et même de chercher des moyens. Peut-être qu'on est pu les former à la recherche de fonds. Mais on ne peut pas. Partout où il y a des questions de droit, donner de l'argent aux gens pour. Non, je ne pense pas. L'appui du CRD de la vie est un appui surtout méthodologique. On a fait de la recherche, on leur a livré le contenu de la recherche, on a créé des comités, on les a formés, on a causé des accords de problème. Maintenant, allez-y, comité. C'est ce que l'argent n'est pas là. Non, je crois que c'est la question que les gens posent. Oui. Est-ce qu'on a déjà un comité? Allez-y. Est-ce que les comités. Non, est-ce qu'ils sont d'accord? Nous sommes d'accord. Mais cette question-là, c'est pas une question pour les comités, c'est une question pour tout le monde. Oui, non, est-ce que l'on est là pour continuer? Le CRD, au niveau financier, n'ont pas d'argent, ils ont arrêté. La question de moyens, c'est pas une question qui est spécifique au comité de plaidoyer.
C'est une question, chacun doit chercher les moyens de faire ce qu'il veut ou ce qu'il a comme objectif. Mais on ne peut pas demander aux bailleurs de fonds, faites la recherche, créez des comités, donnez-leur de l'argent. Et qu'est-ce que les populations vont faire? Je pense que la question, ce n'est pas donner de l'argent. Oui. La question qui est soulevée, c'est on a fait une bonne recherche, oui. on a de nouvelles connaissances sur oui. la problématique, oui. on a proposé un mécanisme oui. pour prendre en charge. Oui. Maintenant, la question qui est posée, est-ce oui. que ce mécanisme-là, tel qu'il est aujourd'hui, oui. peut nous assurer que dans 5 ans, dans 10 ans, on a posé le problème de la... Le seul obstacle, c'est le problème de moyens. Non, c'est pas... Non, enfin, on... Non, c'est pas le moyen. Non, mais... Moi, je termine. Non, c'est que je vous dis, c'est que... On n'a pas forcé les femmes à être en groupe de plaidoyer. On ne les a pas forcées. Ces questions-là, elles se sont appropriées elles-mêmes. Et les comités de plaidoyer qui existent sont entièrement maîtrisés par les femmes. Donc elles ont la volonté. Elles ont même conçu un plan de plaidoyer. La question-là, c'est est-ce qu'elles ont les moyens de mener les activités pour dérouler le plan de plaidoyer. Mais le plan de plaidoyer existe sur les femmes de plaidoyer. Non, d'accord. Non, je pense que la question qui est posée. Oui. Oui, c'est ça. La question qui est posée. Mais comment on a compris jusqu'à quand? Non. Ça, c'est pas le développement? Non. Non, je sais. Non, je pense que l'intérêt de ce qui nous réunit aujourd'hui ici, c'est que nous avons identifié une problématique critique et prioritaire pour les femmes, pour la sécurité alimentaire et pour la démocratie. On a trouvé un donateur qui nous a appuyé, qui a appuyé le radis. On a trouvé des pays qui se sont engagés avec nous pour faire cette recherche. La recherche est terminée, on est d'accord. Tout le monde a félicité l'équipe de recherche. Maintenant, les postes, on a dit recherche-action. La recherche est terminée, maintenant il reste l'action. Et dans l'action, en fait, si on se réfère aux questions qui ont posé, c'est un peu l'autre aspect de l'approche droit. On va faire le plaidoyer au niveau central avec les groupes, mais des organisations qui se positionnent, comme le Congal ou comme le Radic, comme des organisations pour la transformation sociale, ils doivent mettre l'effort aussi. Ce n'est pas une question de moyens seulement. On peut donner un exemple. Le Radic a un programme pour l'accès des femmes aux instances de décision. La question qui nous intéresse, est-ce qu'aujourd'hui les femmes sont membres des ASUFOR? Est-ce qu'aujourd'hui les femmes sont membres des périmètres? Donc je veux dire, c'est les questions qui interpellent les organisations qui se positionnent comme étant des organisations de transformation sociale. Ce n'est pas seulement le financement du CD, mais on a plusieurs projets. Le Rallye a l'expérience pour sensibiliser les femmes sur le droit. On avait vu le droit de la famille, le droit des trucs. Maintenant, c'est le droit économique. On doit investir le même niveau d'effort à ce niveau aussi. Pour nous assurer que. Parce que c'est une question de chaîne de valeur. Ce n'est pas le comité de plaidoyer qui va tout prendre. Non. Il y a plusieurs acteurs. Les chercheurs, ils ont terminé aujourd'hui le travail. Mais peut-être demain, il y a des aspects de recherche qu'on va leur demander d'approfondir. Le radis, le Congar ou c'est quoi les producteurs, les associations de producteurs, ils ont des rôles à jouer dans cette affaire. Donc je pense que les questions qui sont soulevées ici, ça nous interpelle tous, comme tu dis. Mais c'est de vous identifier. Quel rôle est attendu de quel acteur? On n'a pas parlé encore du ministère de la Femme, qui a des ressources, qui s'est engagé aussi à beaucoup de femmes, pas seulement pour faire la peinture et autres. Ces questions critiques d'accès à l'eau, c'est les questions qui sont soulevées par l'instant de la décentralisation. C'est les questions qui sont soulevées par les différentes politiques que les gens sont en train de réfléchir, même au niveau du gouvernement. Donc pour nous, la recherche a été bien faite. On a augmenté nos connaissances dans ce domaine, mais l'objectif c'est que ça ne tombe pas comme les autres études qu'on a connues. Et pour cela, il y a des organisations qui sont plus interpellées que d'autres. Ici, je pense que Radi, RPC et les autres, le Conga et les organisations du producteur sont interpellées. Je dis à un niveau de maintenant, on pourra s'attendre, dire, bon, ok, on a les thèmes de plaidoyer, on va interpeller le président de la communauté rurale pour donner le temps aux femmes. Non. Il y a un aspect dans les programmes aujourd'hui que le RADI est en train de mener, le programme de sécurité alimentaire et décentralisation, sécurité alimentaire et changement climatique. C'est des activités dans lesquelles cet aspect, comme on l'a dit au début, il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été prises, mais les intérêts des femmes n'ont pas été
spécifiquement ciblé. Donc nous, aujourd'hui, on a une meilleure connaissance dans cette problématique. Le RADI n'a plus le droit d'avoir des programmes à Saint-Louis dans le cadre de la décentralisation et ne pas dire « Ok, il faut que cet aspect lié aux gens soit pris en compte. » Pas théoriquement seulement. Il faut que, quand il y a un comité de gestion qui doit être mis en place pour gérer l'eau, il y a des textes qui disent que dans ce comité de gestion, les jeunes doivent être représentés, les femmes doivent être représentées. Quelles jeunes, quelles femmes? Nous, nous devons aider les femmes à s'organiser pour que quand elles viennent dans ce comité, elles viennent en pleine connaissance de cause. Et non pas seulement la femme du président, là, ou l'institutrice du village. Non. En tant qu'organisation, on doit développer des stratégies au niveau local pour aider les femmes, les jeunes à s'organiser pour que quand ils parviendront à être dans ce comité de gestion, que ces femmes-là ils viennent avec un niveau de connaissance qui leur permet de contribuer à la défense de l'eau. Les organisations activistes et autres, comme le RADI et les autres, ils ont le rôle à jouer. Chacun a un aspect à jouer. Si tout le monde joue son rôle, bon, si on arrive à 40% de la riche, oui. Mais si on dit que bon, c'est l'argent, bon. Non, c'est pas, à mon avis, c'est pas seulement l'argent. C'est pas seulement l'argent. C'est. Et je pense que si on se réfère aux questions qui sont posées ici, c'est un peu ça la problématique. Les gens sont satisfaits de tout ce qui a été fait, mais il y a des doutes sur la suite. Donc chacun doit donner une parcelle de réponse à cette question. Moi je pense que un bébé, vous le mettez au monde, vous l'aidez à marcher, à parler, mais à un moment donné, vous ne pouvez pas parler à sa place. Je pense que les comités. Je pense que l'un des éléments importants de cette étude, de cette recherche, c'est l'effectivité des droits économiques des femmes, le cadre de l'accès à l'eau à usage agricole. Je pense que c'est la mise en place de ces comités qui existent et qui sont en train de poursuivre le travail. Je pense que s'il y a un impact réel, on peut dire déjà qu'il y a un effet positif que ce projet a mis en exergue. Et je me suis dit même à un moment donné, est-ce que le bailleur de fonds est conscient même de cela? Les comités des femmes existent à Mauritanie. Elles ont fait le plan de travail. Elles sont en train de toucher, elles ont touché les bailleurs de fonds. Et elles sont en train de s'activer et de remercier la RADI et le CRDI pour les avoir ouvert un peu les yeux par rapport à ce qu'elles doivent faire et le reste, c'est à elles de le faire. Merci. On va prendre. Les chercheurs, le ministère. C'est un peu pour répondre au modérateur, monsieur le modérateur. Qui interpelle le ministère pour le financement des projets comme la Tendue. Non, financer les projets, ça dépend des hommes. On finance les projets de peinture, de couture, de poudrerie, et même autres. Mais aussi, on a nos cibles dans le milieu rural qui font du maraîchage, de l'élevage, de l'agriculture, et qui ont besoin de l'eau. Vous voyez le ministre, chaque soir, vous voyez le ministre à la télé qui finance, qui donne des financements. C'est des projets ficelés qu'on finance. Mais ce n'est pas de l'argent comme ça. Mais c'est des projets d'agriculture ou d'élevage ou de maraîchage qu'on finance. Et qui dit. Élevage, maraîchage, dit eau. Donc, je pense que Michel Mabou est là. Oui, oui. Vous voyez toujours à la télé donner des financements. Vous avez beaucoup de financements. Beaucoup de financements. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Mais il faudrait que le ministère sache. Voilà, non, c'est bon. C'est ça que vous voyez, mais les projets sont en bas. Oh, c'est ça. Non, en fait, l'exemple, c'est chaque acteur a un rôle à jouer dans cette affaire. C'est surtout c'est ça. Et là, c'est pas quelque chose de facile aussi. Il y a l'engagement, et puis il y a la connaissance, il faut savoir ce qu'on va faire. Oui, c'est surtout c'est ça. C'est pas seulement la volonté de libérer les femmes. Donc,
chaque acteur doit trouver les mécanismes pour son intervention pour contribuer à l'amélioration. Si on prend l'exemple, généralement les gens donnent l'exemple des droits de l'enfant. Je veux dire, le processus qui a été utilisé en Afrique des CDS pour la promotion des droits de l'enfant. Il y a des mécanismes qui ont été mis en place au niveau du pays. Il y a des mécanismes qui ont été mis en place au niveau supérieur. Et même aux autres, droits de la femme, droits des réfugiés, etc. Donc c'est pour dire que dans ce domaine aussi, comme l'autre l'a dit, c'est 10 ans, 20 ans de travail, de sensibilisation, de patience, d'engagement. Et vraiment, ça demande des ressources. Mais c'est surtout la démarche, la connaissance, la pertinence des approches que j'utilise. Donc c'est pour appeler les éléments de cette chaîne à mettre les fonds. C'était pas pour attaquer les ministères. Donc le Congrès de la loi qui se présente comme le consortium des organisations, ils ont rôle à jouer. Pas concurrencer ses membres, faire la mesure que ses membres, mais en tant que consortium, sur cette question, comme le livre bleu que vous avez fait, il y a aussi des choses. Je pense que c'est l'intérêt de ce genre de. Le livre bleu aborde toutes ces questions. Mais il est où dans le tiroir là-bas. C'est pourquoi les gens posent ces questions, je dis. Le livre bleu a été une très bonne chose. Non. Excellent. Bon, je sais, c'est le congrès terminé. Apportez les autres questions, les réponses aux autres questions. Première question qui a été posée sur. C'était un constat pour dire que. On espère que les gens qui ont participé, les personnes, les femmes, de Bounou, Indel, pouvaient être là. Ça, c'est autre chose que. C'est très des choses. Ensuite, il y a le niveau de connaissance aussi, des droits des femmes. Les femmes qu'on veut engager à faire le plaidoyer, le minimum au départ, c'est qu'elles connaissent ces droits, quelles sont les conventions au niveau du pays, qui sont. C'est là toute la droite de cette tradition qui donne les. Oui, c'est ça. Non, c'était pour rappeler un peu les questions qui ont été soulevées. D'accord. Merci, monsieur le modérateur. Je voudrais apprécier vraiment les différentes interventions ici et remercier Rosner pour sa passion. Parce que c'est vraiment dans la passion que nous créons des choses. Ça, c'est important. Notamment, Fatmata Sy a parlé de la question de l'accès des femmes, de qu'en pensent les hommes du droit, de la citoyenneté, la connaissance du droit, qui est au courant, qui connaît, etc. Il est clair que dans la recherche que nous avons menée dans les différents pays, les femmes connaissent peu pour les droits. Mais pas seulement les femmes, mais les hommes. Vous vous souvenez, quand nous avons organisé l'atelier au Sénégal avec des acteurs hommes, qui étaient impliqués dans les collectivités locales. Ces acteurs-là nous disent qu'ils ne savaient même pas qu'il y avait ces droits-là au niveau international et que la législation nationale garantissait aux femmes l'accès aux aménagements, aux ressources de façon générale et que la Constitution empêchait les discriminations. Et chaque fois que nous avons eu à travailler avec des acteurs politiques, l'intérêt est tellement fort que dans le domaine de la connaissance même du droit. Et cette approche doit, pour nous, a été au cœur de la réflexion, de la dynamique, de la réflexion et de la dynamique de la participation des différents acteurs. Non seulement il y a la connaissance des instruments au niveau régional et international, il y a la connaissance des lois, de la législation nationale, mais il y a son appropriation. Comment on fait pour que ces lois-là soient effectives? D'où l'intitulé du projet, l'effectivité des droits économiques. Les connaissances étaient faibles, ça il faut le dire, pour les hommes comme pour les femmes. Et quelles sont les sources d'information, comment les gens font, etc. Les sources d'information qui existent sont généralement les médias, mais l'information est très faible. Peu ont suivi des formations. Et donc, nous sommes interpellés
dans l'accompagnement par le RADI, par le CONGA et par les autres organisations qui sont là, qui travaillent beaucoup sur ces questions, à apporter des formations aux femmes, aux différents acteurs sur ces questions. Je crois que la deuxième problématique, on est en train de lancer notre vie dans un contexte au Sénégal d'aspiration à des changements fondamentaux, d'aspiration et d'engagement pour des changements. Il y a aujourd'hui beaucoup de programmes ouverts à ces changements et j'ai bien aimé l'intervention de cette qui disait aujourd'hui, est-ce qu'on peut associer à cette problématique de l'eau et du foncier la question de l'énergie? Cette problématique, elle est déjà posée dans le milieu rural. Je crois qu'il y a eu des expériences avec le PNUD, etc. N'est-ce pas, Massamba, dans le cadre des plateformes multifonctionnelles. Et je crois que MCA également travaille dans ce cadre-là. Mais nous sommes interpellés par rapport à cette question. Nous sommes aujourd'hui dans une étape où si on ne travaille pas sur la question de notre souveraineté nationale dans les différents pays, nous allons être dépendants radicalement pour de bon et nous allons laisser couler nos populations dans la paupérisation la plus complète. Cela veut dire que l'État a une responsabilité, même également les organisations de la société civile, on a une responsabilité. Et je pense que le RADI a eu à prendre en charge cette responsabilité en disant je ne peux plus élaborer seulement mon plaidoyer à partir de connaissances approximatives, j'ai parti d'une recherche avérée, réalisée par des chercheurs et je vais me fonder sur ça pour mener ce plaidoyer. Cela veut dire que le RADI est engagé à le faire. Alors pour ça, le RADI a une responsabilité. La responsabilité, ce n'est pas seulement de dire qu'il faut que je trouve les moyens pour faire cela et cela, mais il faut que le RADI motive, amène les organisations qui se sont mises en place aujourd'hui. Parce que la force de ce projet, c'est que pendant le temps où nous avons mené les recherches et nous avons accumulé ces résultats-là, en même temps, nous avons travaillé avec différents organes et différentes personnes ressources, des femmes et ça, qui se sont, et ce n'est pas seulement les femmes, mais c'est les femmes et les hommes. Et c'est pas aussi monsieur Kaïkoela de la Mauritanie, c'est dans le cadre du partenariat. Le chercheur national de la Mauritanie, il est occupé dans un autre pays. Et lui, il est là parce que le partenariat l'a mis au centre de ce travail-là et de ce plaidoyer. Donc on a des acteurs qui sont engagés pour faire plus. Qu'est-ce que maintenant, nous, les organisations qui sont engagées à cela, qu'est-ce que peut faire le RADI? Est-ce que le RADI doit maintenant travailler à la production d'outils? Essayer de voir comment, par exemple, dans le cadre du Sénat, comment l'acte 3 de la décentralisation va prendre en compte cela. Aujourd'hui, qu'on accorde une grande place à la participation citoyenne, nous avons vu que la porte d'entrée pour la participation des femmes, au-delà de la loi sur la parité, est également intéressante dans le cadre de l'acte 3 de décentralisation. Il y a justement un potentiel intéressant. Ce qui va se passer, c'est que nous, les différents acteurs qui sont là, devons réagir. Maintenant, je suggère, et je crois que c'est la recommandation du groupe, c'est que le RADI élabore encore plus sur cet accompagnement en interaction avec chacun de vous. Parce que dans le processus, mais Mathilde l'a bien rappelé, beaucoup d'acteurs ont participé à tout le processus, même le ministère de la Femme, par le biais de la DEC, de la direction de l'équité légale, a participé à tout le processus. Le ministère de l'Agriculture a pu participer à tout le processus. Le CONGA, etc. Beaucoup d'acteurs ont participé à ce processus. Donc, nous sommes à une étape où nous devons faire en sorte que nos productions et nos acteurs soient responsabilisés, participent et prennent en main vraiment le développement économique local. Nous sommes dans un pays, dans le cadre du Sénégal, où l'État veut mettre en place des pôles de développement viables. Donc nous avons quelque chose à faire, et ce n'est pas la question de l'eau, la question du foncier, la question de l'énergie, en interaction, en corrélation, c'est une problématique centrale sur laquelle nous devons travailler encore plus. Donc je pense que Dame
Wakhaya, etc., vont encore élaborer sur qu'est-ce que nous devons faire à la femme d'acteur. Essayer de travailler avec d'autres partenaires, en est implicable tout le temps dans le cadre d'un projet peut-être intégré ou bien participatif ou collaboratif, etc., voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette étape ne nous échappe pas. Que nous soyons vraiment, nous faisons des pas, qu'on ne reste pas dans la théorie, mais que nous faisons des pas dans la souveraineté alimentaire dans nos différents pays. Maintenant, il y a peut-être une question qui me semblait importante, qui était, je crois que la question de l'argumentaire a été répondue par Osner. Mais la question de subventionner l'accès à la terre des femmes, la question des lois et des textes. Nos textes, même s'ils disent que les femmes doivent avoir accès, il n'y a pas de discrimination, ils ne sont pas suffisamment genrés. Ils ne prennent pas en compte les vraies problématiques de l'inégalité et de la discrimination. Or, ça c'est important pour qu'il y ait des lois qui changent quelque chose, qu'il y ait des lois. Quand le producteur va le voir, quand les acteurs du CNCR vont voir ces textes-là, nous nous sentons engagés dans ça. Il n'y aura pas de problème d'effectivité dans ça. Je crois également, dans la réflexion que le radio va faire en interaction avec vous, cette question-là va être au centre de ce que nous allons faire pour que les lois, que les lois sur le foncier, etc., que les lois sur l'accès à l'eau, sur l'accès à l'énergie, adresse les vraies questions de discrimination et d'inégalité. Je pense que, oui, je pense qu'on a fait le tour. S'il n'y a pas une dernière intervention, hein? Donc, réitérer les félicitations de l'Assemblée à l'équipe des chercheurs et encourager le RALI à approfondir les pistes qui ont été dégagées ici. Le RALI et les autres organisations de la société civile pour leur contribution, y compris et le ministère aussi, pour que le RALI puisse nous permettre d'améliorer l'accès des femmes à l'eau et la production. Donc, nous vous remercions et vous invitons à prendre un cours. Merci. Merci.